paul@palais.com. Nous disons tout le monde bonsoir, puis information pour nous développer pour après-midi dans le journal. 67% dans 172,8 milliards goud projet budget gouvernement 2018-2019 l'a sorti dans DGI la douane et 17% a sorti dans communauté internationale là 17 et l'autre 17% c'est dans prêté gouvernement va prêter c'est ça PDG groupe croissance non et Christian Farrell précisé dans conférence pour la presse et jeudi hein et côté il souligner c'est monde qui plus pauvre c'est sous dos toute activité économique ça va pral fait. L'État souhaité gouvernement prendre disposition pour et peuple en majorité population bénéficier puisque c'est à partir de lui-même et gouvernement prend l'argent ça pour être capable bénéficier d'un service gouvernement a supposé bayou. Il présentait toute une série de données qui montrent que il confirmait pour nous toutes et situation économie pays d'Haïti ça les macroéconomiques grosses activités économiques et pas bon du tout dans pays. Et puis concernant démission ou bien finalement révocation commissaire gouvernement Port-au-Prince nous pas trop connaît parce que ça qui dit c'est une lettre de démission qui présenté par le président alors que c'est par ministre de la justice qui doit présenter de toute façon bas au Port-au-Prince a bien pour faire une autre assemblée générale avant pour connaître exactement est-ce qu'il a poursuivre grève là est-ce que satisfait ou bien est-ce que yo a recommencé travail c'est ça bâtonnier Lord avocat Port-au-Prince AI maître Paul Rachel Cadet et faire radio Kiskeya connait dans interview le bonhomme et puis le président commission justice ak Douamoun dans chambre député a député Port de Paix Jean-Marie Forestal il salue décision pouvoir prendre et malgré les mises à dans route pour te prendre pour changer commissaire gouvernement dans plus gros juridiction pays a dans domaine justice. Représentant circonscription Port de Paix dans 50e législature estimé et gouvernement a quitté crise dans durée trop et selon parlementaire décision ça quand même d'après ça le dit pour permettre un pile monde qui ferme en prison capable passer devant juge. Et puis il y a un député 3e circonscription Port-au-Prince Printemps Bélisaire qui dénonçait et sénateur Joseph Lambert président Sénat d'après avoir et monsieur et fait monsieur Salnon. Oui, c'est ça. Il fait connaître que c'est lui-même qui a sauvé chef gang, yo et Anel Joseph là dans moment la police t'a mené une opération et dans zone cité de Dieu, gens que nous connaissons déjà, village de Dieu. Et il dit pas même connaît Anel là même et il fait connaître si président Sénat pas présenté excuse, gens que collègue de l'opposition déjà dit a empêché et ouverture en assemblée nationale la fête dans commencement mois janvier. Et puis, il y a un autre pas, il dit, il est disponible pour répondre à l'invitation juge instruction Jean-Wilner Morin dans le cadre d'enquête qu'il ouvre sur disparition confrère Vladimir Le Gaillard dans le mois de mars qui s'est passé là. Et prétend Bélisère, c'est dans Grand Ravine, et dit, il a collaboré avec la justice parce qu'il est en faveur pour famille journaliste, jeune toute information et jeune justice dans le dossier ça. Mais il a besoin pour parlement bureau parlement bal laisser passer pour capable à répondre question juge instruction. Et puis nous connaît hier le 16 décembre ça te fait 28 ans depuis la première élection libre démocratique après dictature et famine du Valier qui était faite dans le pays d'Haïti puisque première tentative là était fini dans 100 peuples et Jean-Bertrand Aristide père dans l'église Saint-Jean Bosco était élu comme président. Dans l'occasion ça, partisans, ancien président, bien entendu, tout est responsable d'un parti là, te dit après la rue, et gen la dette dans la manifestation, et gen l'autre dirigeant tout, dans Koumopod, c'est Jean-Louis qui était dans la rue dans la manifestation ça. Mais cependant, manifestation ça, même Jacques manifestation dimanche passé, pas de faire recette. D'après le Gen Westland même qui pétait, les deux groupes manifestants, yo, chaque te voulait prendre direction. C'est gagné une qui devait prendre direction pour aller tabac et la police a tout profité pour craser manifestation. N'a pas gagné pour nous parler de plusieurs autres points dans actualité locale là, actualité internationale là et finalement COP 24 là il finit avec 24 heures de temps de retard à cause pour Téphine Antonio sur série de points mais depuis week-end là
diverses organisations qui défendent question environnement, pas caché, gens qui ne sont pas satisfaits de la situation. Et puis, dans le mois de décembre, ça, c'est moi, toute qualité de danger pour ces deux pays qui dans l'élection. Pays, il y a un coup d'État dans l'élection, un coup d'État électoral ou bien coup d'État sans couler. Par exemple, demain, il y a Madagascar, deux anciens présidents qui échouent, qui candidat pour retourner encore vivre dans tête pays. Alors que 23 décembre, dans la même semaine, ça, c'est RDC. Kabila, il est supposé virer chapitre qui était concerné dans l'histoire République démocratique Congo. Mais ça ne veut pas dire que M. n'est pas puissant, qu'il n'est pas toujours dans les coulisses. D'ailleurs, il y a un propre candidat qui a soutenu dans l'élection. Ça. Et trop de Fed, qui c'est Banque centrale États-Unis, fait un effort parce que il dit Paris a boulé et le monde a explosé. Et Trump qui menaçait pour fermer l'administration et fédéral là, s'il pas arrivé jeune, salve Léa qui c'est muraille qui pour séparer pays États-Unis et pays Mexique. La très difficile pour le jeune avec démocratie qui pral entrer en force et dans chambre représentant à partir de janvier. Et puis selon Theresa May, un nouveau référendum, ancien premier ministre Tony Blair Mandela, si elle fait sur question Brexit là, l'a fini net à Royaume-Uni. D'après ça, le Premier ministre a déclaré. Nous avons eu tout pour nous sanctions, nous menacé une série de chefs dans l'armée française. Long, d'après avoir été accusé, président Emmanuel Macron, de trahison. Et puis, un gilet jaune porte plainte dans l'instance régulateur dans la question média dans le pays de la France. D'après avoir accusé France 3 qui modifiait un message qui a été gagné concernant Macron. Invité journal 4h après-midi. N'a gagné un confrère qui c'est Israël Jackie Cantave qui était témoin dans l'événement 17 décembre 2001 qui a retourné sous olapalais.com. N'a rappelé c'est samedi qui a venu là a chanté enterrement monseigneur Guillaume Poulard dans cathédrale transitoire là et cérémonie a commencé bien bonheur depuis besoin 7h a exposé col et d'après programme archidiocèse Port-au-Prince était publié dans occasion ça concernant et funérailles monseigneur Poulard qui quittait nous gain plus que une semaine. Et puis groupe croissance qui analysait budget 2018-2019 long le gouvernement envoyé dans le parlement 67% et 172.8 milliards gourdes projet budget 2018-2019 là sorti pour puis fois dans DGI avec la douane et puis 17% dans Coblan c'est dans aide internationale et puis l'autre 17% c'est prêté gouvernement prêté. C'est sa PDG groupe croissance économiste Kestner Farel précisé jeudi à une conférence pour la presse Libaï dans complexe Lafayette côté quartier général groupe croissance dans Delma 71. Économiste n'en fait connaît dette gouvernement augmenté 41% dans projet budget et n'attendait Ro Farel dans conférence pour la presse côté Robinson Henry était présent pour Radio Kiskeya. Les voies et moyens 72.8 milliards de gourdes mais trois façons que rentrer l'argent en de budget. Les ressources domestiques, 114.3 milliards de gouttes. Bon, rappelez-nous que le gouvernement te prévoit dans la version juillet avant et que l'événement 6-7 juillet est arrivé, version originale là, il était 176.3 milliards de gouttes. Doyo contracté également. Il était à peu près 30 milliards dans la première version, dans la version corrigée, il baissait à 28.9 milliards. Ça qui est important pour nous garder là, le financement a augmenté dans le budget déposé au Parlement la semaine dernière. Il était prévu un financement de 21 milliards, il est passé à 29,6 milliards. Ça veut dire que dans ce budget, les ressources domestiques diminuent, les dons diminuent, donc le financement, on dit, c'est prêt pour augmenter pour capable financer le budget. Ça. Ceci est très important à comprendre. Parce que nous avons une dette déjà de 3,2 milliards de dollars. Donc, si la dette continue à augmenter avec les intérêts, le service de la dette est extrêmement important. Donc, il faudra que nous prêtions très attention à ce financement qui a augmenté de 41% dans la version 18-19 déposée en décembre par rapport à la version du mois de juin. Donc, on s'endette beaucoup plus pour financer le budget. Recette interne a diminué par rapport à l'ancienne version budgétaire. Pour qui ça? Parce que les 19 milliards de gouttes qui étaient prévus au niveau du budget pour les taxes pétrolières, il n'y a pas qu'à prendre en considération encore. Mais il y a eu une augmentation considérable de près
de 40%, 45% des recettes douanières. Ma couvre budget depuis quelques temps, ma jambe recette douanière a dépassé 20 milliards de gouttes. Mais dans le tableau, ça a 35,5 milliards de gouttes. Est-ce que vraiment, contre Banan et tout ça qui gagne comme exemption fiscale, est-ce que tout ça va disparaître pour permettre de nous atteindre 35,5 milliards de gouttes? Qui paraît extraordinaire, mais bon, je me rappelle que la République dominicaine, l'année dernière, puisque nous sommes même pays, il a considéré ça, l'année dernière, entré 130 milliards de pesos dans la recette douanière. C'est bon, c'est impossible pour Haïti d'affaires, mais nous avons l'autre côté de la vie. Autre ressource domestique qui, depuis quelque temps, est inférieure à 1 milliard de gouttes, le rectificatif a franchi la barre de 3 milliards de gouttes, et nous voyons que le gouvernement a un bill à 3 milliards de gouttes. C'est toute notre activité qui gagne le pays. Les dons à 28,9, l'appui budgétaire a connu une diminution de 5 à 4 et aide projet a vint augmenter. Ça montre en quelque sorte que l'international pourquoi les avènes pour mettre Cobla dans le même directement. On garde le financement comme tu as dit, attention, tirage sur un point, ça veut dire dette externe. La dette externe a augmenté dans le budget passant de 5 à 13 milliards de gouttes. Ça veut dire que le mécanisme Petro-Caribéa, Bendes, a parlé de Cobla à hauteur de 13 milliards de gouttes. C'est la dette externe. La dette interne, très, on est capable de dire optimiste de la part du gouvernement. 9 milliards de gouttes de bons du trésor. Il était 3 milliards dans la version corrigée. Au financement interne de projet, 7,5 milliards de gouttes. Les impôts directs, impôts sur revenus, absolument 26 milliards de gouttes. Tandis que les impôts indirects seront de l'ordre de plus de 70 milliards de gouttes. Les ressources domestiques représentent 67% du budget. Les dons seulement 17% et le financement se retrouve autour de 17%. Voilà, c'est PDG groupe Croissance Don, économiste Kestner Farrell. Puis fort l'agent gouvernement prévoit ramasser dans DGI avec la douane pour exercice fiscal 2018-2019 l'an et pral dans dépenses chaque jour et selon ça les dépenses courantes selon PDG groupe Croissance Don. Et di fè konnen se moun ki pi pov yo, oui, et pourtant c'est eux même qui pral financer budget ça. Et même gens ak moun ki gen moyen yo, ben pi pov yo et plus dans pays d'Haïti. Pendant li souhaité gouvernement a prend disposition pour moun sa yo pi pov yo dans pays a moun ki pi vulnérable yo, pour gouvernement ta retourner yo kòb yo a contribuer dans budget a à travers service pour le tabay yo. Avait dit bon qualité l'école et bon qualité service santé, bon route, bon communication, bon environnement et bon loisir, tout ça pour yo même ak petit chaque femme yo bon kay priorité, tout ça et politique logement et PDG Croissance Don Kestner Farrell et toujours dans conférence pour la presse à côté Robinson Henry était présent pour Radio Kiskeya. Ça prend 114 milliards de gouttes nous-mêmes, nous pouvons sortir en dépenses courantes 90 milliards de gouttes. Donc l'argent que nous entrons là, à partir d'impôts directs, impôts indirects, pour cette douanière, nous voyons qu'une bonne partie pour aller vers les dépenses courantes. Les salaires et traitements vont augmenter à 47 milliards de gouttes. Les biens et services sont restés presque au même niveau, 29 milliards de gouttes. Les transferts et subventions, 10 milliards de gouttes. Et intérêts sur la dette, 3,6 milliards de gouttes. Donc voilà comment l'argent que notre IA nous décide de dépenser. Bien que le gouvernement dit qu'il faut un changement vers le social, nous gardons les ratios par rapport au budget rectificatif là. Oui, il y a eu un changement. La tendance a connu un changement. Mais ça reste encore trop faible. Regardons les dépenses d'investissement. De l'ordre de 81 milliards de gouttes. Immobilisation, 1,6 milliards de gouttes. La partie la plus importante pour évaluer l'apaisement social souligné par le gouvernement, c'est les programmes et projets de l'ordre de 62 milliards de gouttes. Il était presque stable par rapport à la première version et beaucoup plus élevé par rapport au budget rectificatif qui lui-même, le Parlement, a fait un véritable gargote là. Parce que le Parlement avait réduit les dépenses d'investissement sociaux après les 6 et 7 juillet pour augmenter les dépenses courantes. Parce que le budget rectificatif qui a été déposé au Parlement, ça sorti à est différent par rapport à ça que tu es déposé. Donc, on va voir ici, le trésor public, 17,3 milliards de gouttes, qui a porté en de budget pour investissement social là. L'annulation de la dette du Fonds monétaire, 3,8. Autre financement, 3,7. Dont et en point, 37,52 milliards de gouttes. Donc, on verra que le financement externe supporte réellement les investissements sociaux par rapport au trésor public. Et l'explication est simplement arithmétique.
En tant qu'on mettait plus comme les dépenses courantes, eh bien, il y a moins scope pour capable faire investissements sociaux en d'un pays. Chaque 100 gouttes qui va le dépenser dans le budget, sur le montant total, 67, c'est nous-mêmes qui payons les contribuables ici. Et 67, ça, 63, c'est impôt indirect qui paye. C'est ressources domestiques qui supportent le budget et c'est impôt indirect qui va supporter le budget. Si vous regardez, impôt direct coûte 26 milliards de gouttes. Tout revenu que nous générons dans le pays, moins l'entreprise, l'État va comme que le prend directement, c'est nous-mêmes. Et en tant que entreprise comme, l'État prend plus de même. Impôt indirect là, c'est quelle que soit transaction qui fait dans l'économie, que nous avons une machine neuf qui entre, en don comme gasoline, que nous avons une motocyclette 20 ans qui entre, nous payons même taxe là. Donc, qui veut dire que les gens pauvres, les gens extrêmement pauvres, payent même gens lorsque l'on a un impôt indirect là. Or, impôt indirect là, plus élevé que l'impôt direct là. C'est le débat qui est actuellement en France également. C'est ce qu'on appelle la justice fiscale, qui veut dire que les gens pauvres payent le budget là. Donc, si on paye autant d'argent, plus de 60%, donc il faut que nous soyons capables de permettre que les dépenses qu'on a faites bénéficient beaucoup plus. Or, si on paye tant d'argent, après moi, c'est la dépense qu'on a qu'il doit aller pour nous capables de faire la machine de fonctionner. Donc, c'est encore une injustice en quelque sorte. Tant à l'entrée qu'à la sortie. Alors, c'est peut-être un jeu de mots pour faire dépenser la machine de fonctionner. Nous connaissons un pile comme l'État, c'est d'acheter la machine, de passer. Il y a un poste de dépenses qui est très élevé dans l'État haïtien. Et PDG groupe croissance, Christian Farel, il présentait toute une série de l'autre information, de données qui montraient sous plan économique, c'est-à-dire les macroéconomiques, gros activités économiques, eh bien, situation gravement grave. On toujours attendait dans la conférence pour la presse, côté Robinson Henry était présent pour Radio Kiskeya. L'évolution du produit intérieur brut là, son période allant de 2010 jusqu'à 18-19, que pendant les quatre dernières années, 14-15 jusqu'à 17-18, que l'économie n'a pas jamais dépassé 1,5% de croissance. Chiffre ça important parce que 1,5% c'est minimal de taux de croissance démographique. Donc qui veut dire que le pays, pendant 4 ans, n'a pas atteint le niveau de taux de croissance démographique. Pas bien l'autre résultat, c'est la pauvreté et c'est l'extrême pauvreté. Que le rythme annuel, que le rythme mensuel et en glissement annuel, nous allons remarquer que le taux d'inflation n'a pas jamais passé en bas niveau 10%. Le pays, pouvoir d'achat extrêmement faible, évolue avec un taux d'inflation aussi élevé. Encore une fois, ça confirme la situation de pauvreté. Taux de change, ce n'est pas différent. La tendance, 14-15, c'était 48,56. Il va monter de manière continue. Et en moyenne, pour 17-18, là, 74,61. Ça veut dire que l'environnement macroéconomique totalement détérioré. On regarde les prévisions que le gouvernement fait pour 18-19 dans la nouvelle version budgétaire, seulement 2,8%. Le gouvernement est beaucoup plus réaliste et optimiste parce qu'en général, il compte 3,8%. Mais 2,8% pas suffisant pour compenser les 4 années de moins de 1,5% de croissance économique. Et en dedans 2,8%, ça, il n'est pas obligé de prendre en considération, ça n'est pas capable de les désastres naturels. Il n'est pas pris en considération les désastres humains, les manifestations, les fermes pays. Donc ça, quand vous avez dit 2,8%, de plus chose, ne pas atteindre. Les prévisions du taux d'inflation extrêmement élevées, 14,7%. Qui veut dire taux d'inflation que nous avons en 18 là, 17-18, 13,6 là, nous avons un taux d'inflation encore beaucoup plus élevé pour 18-19. Taux de changement, nous n'avons pas fait prévision, mais chaque jour, nous voyons comment taux de changement peut aller, qui posait problème pour l'économie haïtienne. Voilà, conférence pour la presse PDG, groupe croissance et économiste Kestner Farel, sous situation économique pays à partir de budget gouvernement présenté et projet budget dans le Parlement haïtien, budget pour l'année fiscale 2018-2019. Et pourtant, président ça qui parle gain 2 ans en tête pays à Nekbanana, il te dit peuple haïtien, il t'a mette manger sous table, il t'a mette l'argent dans la poche. 2 ans après, pays a vin pi pov. Mais c'est vrai, et gain un petit crasse plus conscience, cependant, nous commençons. Ouais, c'est pourquoi ça, Total Capital. Mais, année passée, pas oublier, débat, question budget a été fait. Et dans le pays d'Haïti, pour la première fois, population te prend conscience sous question budget. Et faut qu'on comprenne budget pour capable comprendre l'État, qui j'ai séparé ça les richesses nationales. Qui côté l'argent yo aller qui ça yo fait avec elle et mon yo te commencer comprendre gien pile groupe
et qui participait dans éducation ça et Wowo c'est une dans économiste avec plusieurs autres confrères et qui fait travail ça ça y aurait les injustices fiscales là peuple yo journée jodi a commencé prendre en main ça y aurait les budgets l'état yo et ça qui a passé en France journée jodi a dénoncé injustice fiscale là surtout dans ça qui concernait taxes yo mettez sous consommation que tout le monde paye le même gens même là que tout le monde paye les mêmes moyens qui sont injustice sociale et c'est injustice ça tout ou se dénoncer là non et taxes indirectes que fait tout le monde paye ya, et puis fort monde qui paye le non pays dans Haïti c'est monde qui plus pauvre et c'est eux même qui plus plus n'a prêté n'a sorti dans l'économie nous pour aller dans justice qui c'est une grosse préoccupation pour peuple haïtien alors justice sociale mais justice tout court justice ça nous connaît qui pas fonctionner dans pays d'Haïti qui pas distribué et qui te gon gros panne là parmi l'autre problème ni gain mais panne ça son panne à cause de un événement qui t'est passé nan paquet Port-au-Prince nan commencement mois octobre là et côté gain avocat qui t'est nan accrochage avec paquet Port-au-Prince et puis avec responsable police dans l'ouest et gain plusieurs autres avocats qui étaient accrochés avec et représentant la police et puis finalement ça aboutit à presque 3 mois côté juridiction Port-au-Prince est bloqué et finalement une exigence était faite au FOC commissaire gouvernement Port-au-Prince l'a clamé au CNAM d'Améus dans tes baïtalon finalement ça arrivait fait mais n'est pas fait selon les règles qui établit parce qu'elle pas démissionné, il pas bail ministre en justice en démission, c'est président lui remettre démission et qui permet toute qualité analyse faite concernant rôle commissaire gouvernement finalement est-ce que représenter société ou bien c'est exécutif là il était en mission pour lui représenter parce que c'est symbole ça a tout une charge qui marchait avec lui et puis ou gagnent tout nous connaît directeur police dans l'ouest lui même il a déjà remplacé mais kounye là c'est qu'on est-ce que avocat satisfait ou bien est-ce que y a kembe grève là toujours et concernant diverses revendications te gain et bao Port-au-Prince n'a pas encore prononcé selon bâtonnier l'ordre et avocat Port-au-Prince a y mettre Paul Rachel Cadet il salue le fait que finalement clamé d'Améus quitte tête paquet gon l'autre commissaire gouvernement qui nommé dans interview par radio Kiskeya journée jodia Met Kader fait connaître et c'est dans une autre assemblée générale pour une décision avocat pour le prendre pour connaître si y a metté un bout et par rapport à mouvement qui était fait et ou bien est-ce que estimé au jeune justice ou bien est-ce que il est pas satisfait c'est dans assemblée générale là y a connait n'attendez mettre Paul Rachel Kader qui s'est bâtonné l'ordre avocat Port-au-Prince AI qui t'a parlé comme ça dans micro Ketia Jean-Pierre Tello. Il serait question aujourd'hui que gagnent en lettre de démission de maître Opnam Kamedameus comme commissaire titulaire du parquet de Port-au-Prince. Nous tendons le tout et nous pensons que on va être comme ça par rapport à objet crise la facture fait crise là sont considérables. Et nous attendons tout simplement qu'aujourd'hui que ce soit que la mesure soit effective et qu'il y ait une installation du nouveau commissaire du gouvernement. Donc une fois nous accueilli favorablement avant cet état et peut-être l'autre éclaircie qu'a fait la question ça aujourd'hui là. Et puis nous-mêmes nous pensons que c'est un bon approche, un bon avancé qui va permettre que bagaille améliorer dans les jours à venir. Nous joignons sous 3 revendications nous avons gagné, qui c'est de permettre que nous clamé d'Améus dans tête paquet, arrestation Berson Soljou, arrestation policier qui a frappé avocat dans Kafou Gérald Bataille. Est-ce que nous avons continué avec un mouvement nous gagné dans Baoua? Et nous sommes capables de dire que autant que nous sentons que nous avons un bon signal qui lancé pour le nouveau commissaire gouvernement qui a installé, c'est un bon signal tout qui lancé, même s'il y a demi-teinte, mais il lancé pour Delphine Soljour, qui lui-même lui mettait à côté comme DDO. C'est vrai que la résolution lui-même est allée un peu plus loin, mais nous avons quand même des capacités pour nous apprécier que Jodian il n'est plus à la tête de DD et de l'Empereur au Printemps, dans l'Ouest. Là. Nous apprécions ça. Nous-mêmes, nous sommes sensibles à ce qu'a fait ça et nous sommes aussi prêts
à considérer que jeudi a une nouvelle approche supposée qu'a faite parce que nous tenons compte de l'avancée faite de, d'une part. Donc, non pas pour un arrêt, comme je dis, tout le temps pour une situation comme ça, nous serions franchement que ça marche en logique, que le système judiciaire a recommencé à fonctionner convenablement et que tout le monde ait accès à la justice. Mais il y a un principe que nous supposons respecter en vertu du principe du parallélisme des formes et des compétences. Cependant, l'arrêt de travail que nous avons pris en révolution, il a levé définitivement après une nouvelle assemblée générale qui a prononcé justement sous nouvelle suite pour nous bailler à arrêt de travail. Mais nous, comme nous favorables à ce que la situation retourne à la normale, ou Baroua, le tribunal là, fonctionner normalement. Mais nous attendons quand même parce que nous ne sommes pas capables de faire n'importe comment. C'est qui le, nous capable de faire l'Assemblée générale ça? Bon, je dis en particulier, nous souhaitons réunir un conseil avec le conseil là. Et pour l'Assemblée générale là, nous attendons l'installation du nouveau commissaire du gouvernement. Voilà, c'est bâtonnier, l'ordre avocat Port-au-Prince, bâtonnier AI, maître Paul Rachel Cadet. Non, micro, Ketia Jean-Pierre Taylor. Et gagné président commission justice à Douamoun dans chambre député à député Port de Paix Jean-Marie Forestal. Il salue décision, il dit pouvoir prendre et pour nommer un nouveau commissaire gouvernement dans tête paquet Port-au-Prince. Représentant circonscription Port de Paix dans 50e législature estimé gouvernement a quitté crise dans durée 3 dans plus grosse juridiction pays. Et juridiction justice selon et parlementaire décision ça et pour le permettre en pile monde qui ferme en prison passer devant juge naturel yo Jean-Marie Forestal mandé nouveau commissaire travail avec l'autre acteur dans système non pour attaquer phénomène détention préventive prolongée parce que en pile monde en prison et pas jamais passer devant juge c'est ça qui vraie réalité dans question justice non. Et dans le pays. On attendait le député Jean-Marie Forestal, président de la commission justice à Douamoun, qui t'a parlé comme ça dans le micro Vilner Joseph. C'est déjà trop tard même, décision que le gouvernement prend pour résoudre la crise qui a saccagé Bill par Port-au-Prince. Non seulement la crise te permet en pile Douamoun violé, par rapport à l'ensemble des justiciables qui étaient pour présenter devant le juge naturel, qui n'ont pas présenté à cause de paralysie que Christ a traîné derrière, mais tout est capable de permettre qu'en pile audience qui était pour faire au niveau de chambre correctionnelle, soit chambre criminelle, qui n'est pas capable de dérouler parce qu'on est, et surtout pour l'audience criminelle, leur avocat a fait défaut. Donc, décision pas qu'à prendre et jugement pas qu'à tenir. Donc, je pense que je dis, nous sommes satisfaits par le fait que le gouvernement a trouvé que les bouts pour lui mettre en fin à Crisan avec le renvoi ou le transfert du commissaire au clan. Nous avons suggéré une solution. Nous avons demandé à une partie de tirer la révérence. Et la partie nous demandait pour tirer la révérence. C'est sûr, même si nous avons utilisé une lame de bois, mais c'est sûr que c'était le commissaire au clan. Parce que dans tous les cas, vous trouvez non contentieux avec un barreau, ou que vous connaissez, c'est vous qui faites les frais. Parce que vous ne pouvez pas renvoyer le barreau, c'est vous même qui avez toujours renvoyé. Dépendamment de valeur crise, de ampleur crise. Qui créer. Donc, nous pensons aujourd'hui, hein, le nouveau commissaire qui est à peine venu au niveau du parquet de Port-au-Prince, il pourra tirer le son de ça qui arrivait prédécesseur lui au CNAM pour ne pas chercher un éventuel conflit avec Baroua, mais tout pour être capable de prendre sous lui toute sa gagne comme administrateur du parquet, comme chef du parquet, pour être capable eh bien, gérer. Post-crise, parce que gain ante-crise, gain la crise, mais gain post-crise, parce que tout n'est pas fini avec le renvoi de Oknam, parce que gain au mouillot qui était toujours, gain maintenant qui disposition capable prendre pour permettre à ce que ça qui était gain comme contentieux, les solutions à apporter. Est-ce que le renvoi de Oknam c'est suffisant? Est-ce que collègues avocats au niveau du barreau de Port-au-Prince, est-ce qu'ils sont satisfaits seulement avec le renvoi de Oknam? Est-ce que c'est seulement le renvoi Oknam non? Qui était seul élément de revendication, est-ce que vous pouvez chercher un certain suivi dans le dossier qui était créé crise, à savoir GIF que l'avocat te prend au niveau de l'enceinte du parquet de Port-au-Prince, est-ce que ce monsieur va pouvoir comparaître
par devant une instance judiciaire pour répondre de son forfait. Voilà, c'est pour la commission justice à Douamoun, dans la chambre députée, député Port de Paix, Jean-Marie Forestal, dans micro. Vilner Joseph, effectivement, c'est un dossier qui conjoncturel, mais qui touche tout aspect structurel concernant fonctionnement institution yo, et dans le pays d'Haïti. Il y a un débat que nous pas d'adresse faire économie de l'île dans divers aspects sans concession concernant ça qui est passé à gestion. Pas oublier qu'un groupe avocat, M. Samuel Madistet, fait partie de groupe ça qui était tenté pour faire médiation dans le dernier moment, mais il était échoué parce que l'avocat était campé sous une revendication, d'après ça, dit radicale concernant le commissaire gouvernement. Mais Kounia, est-ce que dossier directeur de la police donc, qui déjà remplacé, il est satisfait de l'oublier ou pas satisfait. Mais de toute façon, problème justice, c'est un problème beaucoup plus compliqué et plus complexe que ça. Et dans le pays, hein, j'en l'ai distribué et toute instance qui concerne, ça veut dire juge, avocat, parquet et société en général. Et il y a en pile question, en pile débat et qui doit être fait. Et pas oublier dans le budget à tout. Et il y a CSPJ qui déjà dénoncé, le gouvernement n'a tout ouvert le premier ministre, dans le fait que Anissa, c'est 0,91% seulement dans le budget. Il a descendu, il était 1%, il a prévu pour la justice dans le pays d'Haïti. Dossier qui était tout ouvert dans la radio Kiskeya. Nous avons fait le premier coup de pied dans l'actualité internationale, là, qui a mené nous dans Madagascar, nous allons aller très loin. En face, nous allons en fait en quelque sorte et à la fois parce que Madagascar est un carrefour, à la fois non et face à continent africain côté hier, océan Indien et c'est un pays carrefour et gros île à quoi il y a plus que 10 millions malgaches, c'est notre peuple ça qui va voter demain dans élection pour élire un nouveau président. Eh bien, c'est même Mounio qui a retourné devant yo. Et l'élection, ça, yo te well déjà. Et deux candidats pral nan deuxième tour, non? Tous les deux, peuple en plein reproche pour yo. Parce que deux anciens présidents qui pas arrivé faire Madagascar décoller. Deux anciens présidents accusés nan corruption, nan moun pays, tout bagay, c'est yo retourné encore. Alors que M. Sayo a été bloqué en élection 2013, non? Parce que yo ta font tentative pour te gagner l'autre monde qui émergeait finalement et passer à droite, passer à gauche, yo retourner même côté à même peuple. Et une critiquer l'autre, c'est lavé pendant la campagne électorale ça, parce que deux clients, yon connaît l'autre très bien. À 69 ans sous tête, Marc Ravalo Manan, et pourquoi j'aime digérer le fait qu'il était obligé de démissionner. Parce que l'idée vient mettre dans le pays à un gouvernement gros point, malgré l'engagement qu'il prend pour le pays à continuer dans la démocratie. Et pendant le deuxième mandat, dans l'année 2009, il n'est pas fini, parce que M. était entré dans une véritable dérive autoritaire. Et ça a fait que tu as levé le campé contre lui, tu as poté aller sous pouvoir. Jusqu'à présent, M. Pourquoi j'aime digérer ça. Et M. bat jusqu'à ce qu'il vienne retourner. Et il n'est pas capable de candidat, plusieurs fois déjà, il était tenté. On l'a même avion qui t'a sorti en Afrique du Sud, t'es obligé de casser tête tournée. Il n'est pas de droit pour entrer dans le pays, il t'a vivre en exil dans le pays Afrique du Sud. Qui est-ce qui t'a remplacé? Il y a un jeune magistrat qui s'est un Didier. Et c'est premier et profession Didier lié dans la capitale là, tout le monde connaît. Et puis monsieur des magistrats, Antara Arrivo, qui c'est capitale là, André Radjoel, et monsieur pral font coup de président. Et faut que nous dit et Ravalo Maran avec la MEA t'a écrasé tout mouvement et démocratique protestation contre lui dans sang et ça pourrait le faire perdre du pouvoir plus vite et comme alternative eh bien c'est jeune Didier Zak t'es magistrat capital là que t'as pas le remplacer donc ça fait une qu'on l'autre très bien et après Ravalo Maran t'es obligé de démissionner il est obligé de prendre l'exil il retourne plusieurs années après dans pays et il a démetté monsieur dans prison la Kaili, résidence surveillée. Après ça monsieur reprend direction parti et face à lui-même jeudi il prend dans deuxième tour élection d'espérer la retourner dans tête pays encore et devant même rival que le TGR qui te prend place lui elle était obligé démissionner et rival ça était supposé organiser élection plus vite que possible et bien monsieur dans même ça il était reproché
président était obligé de démissionner, il va faire même route là tout. Et côté il va mettre un gouvernement, c'est monde pas seulement clientéliste. Et yo pral reprocher en définitive même ça yo te reprocher ça que t'es obligé tomber a li yo pral reprocher d'après avoir li engager toute ressource naturelle pays ça qui sont pays qui riche mais peuple la donne pauvre parce que yo gagoté toute ça gagné yo pral faire même reproche yo et donc deux monsieur ça yo finalement yo te interdit de participer dans l'élection 2013 non parce que te gagné et structure que tu mettais campé sous pied pour dire deux messieurs ça était gagoté pays hein yon pa pi bon passer l'autre en ouais si nous était capable joindre l'autre monde qui pouvait prendre direction pays a te gon accord qui était signé dans sens ça pour renouveler classe politique là mais comme yon pa ka renouveler classe politique avec un clic eh bien Madagascar pral faire expérience li c'est vrai yon rivé dans ma débat joindre un président yon mettait là bonhomme ça l'obligé il perdu depuis dans premier tour dans élection président tout neuf là il pas même assisté tirage pour aller dans deuxième tour donc monsieur tout perdu depuis dans premier tour et deux anciens présidents pas de bon c'est eux même qu'on est là qui pour aller dans deuxième tour et c'est expérience ça peuple a fait dans pays Madagascar et deux anciens présidents pourquoi il est là et c'est Radjoel là qui devant dans premier tour élection 7 novembre là il gagne 39,23% suffrage qui exprimé en faveur. Alors que Raval Obama n'y a gagné 35,35% dans le premier tour. Donc, deux candidats, ils ont fait un pile cadeau, ils ont fait un paquet de promesses, ils ont fait un paquet de promesses, ils réaliser promesses ça pour séduire un électorat qui bat aux vagues. Parce que le plus gros parti politique qui gagne dans le pays Madagascar, je ne veux dire, il y aurait l'abstention. 45,7% dans peuple en pas participer dans premier tour élection. Et donc demain, a gagne deuxième tour élection ça, avait dit que pas gagne en pile espoir pour peuple malgache là. Paulapalais.com. Toujours sur Radio Kiskeya, on suivre un journal 4h, on a présenté depuis studio Bertrand Pierre Louis. Pour saluer tout internaute qui a recevoir sur www.radiokiskeya.com, quel que l'en soit côté, et tout ça et tout qui a recevoir sous plateforme intelligent. Nous avons retourné encore en actualité internationale concernant ingérence la Russie dans l'élection américaine qui était faite dans l'année 2016 qui portait Donald Trump et sous pouvoir. Il y a deux rapports Sénat américain été commandé et qui révélaient jeudi et plusieurs médias publiés d'ailleurs avec un pile détail qui montrait de façon sophistiquée qui Jean la Russie était impliqué et dans soutenir Donald Trump pour le vice président dans pays États-Unis dans élection 2016 yo et river craser candidature Hillary Clinton nan. Et par exemple gagnon agence dans internet research agency IRA qui basé dans Saint-Pétersbourg dans pays la Russie il était gagne plusieurs centaines faux comptes l'étape géré sur internet et yo te fait moun ki t'a parlé yo passé pour des américains c'est pas américain yo té yo utilisé post sa yo pour te mettre une série de messages sur Facebook sur Instagram sur Twitter mais tout sur YouTube et contre Hillary Clinton mais en faveur Donald Trump et yo te ciblé particulièrement communauté noire là dans pays États-Unis pour te déstabiliser candidat démocrate là d'après ça deux rapports sa yo. Et Sénat américain demandé mené enquête là révélé selon plusieurs médias américains qui publient information ça yo jodi a n'a pas vini la caille pa nous d'abord pour une bonne nouvelle concernant premier concours Noël dans l'école Radio Kiskeya a organisé édition 2018 et premier et nous t'ai fait sélection côté t'ai gagné plusieurs candidats t'ai passé devant un jury et finalement gagné 5 et finalistes et n'attend dans finale là qu'a fait samedi 22 à 5h dans même côté là et dans jardin et Kiskeya alors c'est l'école et qui sélectionné pour participer et pour nous connait qui est-ce qu'a remporté finale là samedi c'est lycée Marie-Jeanne l'excellence et l'école collège d'excellence collège canapé vert
lycée Benoît Batraville et lycée Antenor Firmin. Et c'est eux-mêmes qui sont 5 finalistes. Et jury, tu as gagné Gary Lubin, qui est manager et grande chanteuse haïtienne Emeline Michel. Et Madame Yola, mon premier, chanteuse Tamara Suffren, et puis ancien député Vikens Deridus, qui était composé et Jurien. Et puis MCN, c'était Wilkens Tiberis, Wilmix National Kiskeya. C'est lui-même qui était MCN samedi. Et tu gagné famille, tu gagné supporteur, et toute l'école qui t'a participé, qui était présent. Et rendez-vous désormais, c'est pour samedi prochain. Et côté et 5 l'école ça yo pour faire finale et faut que nous dit pour l'excellence yo même yo gagne un orchestre yo mettez campé sous pied dans occasion participation yo et puisque gagne plusieurs musiciens là-dedans yo gagne keyboardiste et gagne violoniste gagne guitariste yo tout yo participé yo venir avec tout instrument yo et pour te participer dans concours et puis lycée Marie-Jeanne c'est 4 bon quatuors extraordinaires et puis gagne 3 lots l'école Noudouyo collège Canapé Vert lycée Benoît Batraville et lycée Antenor Firmin c'est eux même qui dans finale et faut que nous dit tout ça arrivé fait parce que grand paquet de monde qui mobilisé c'est occasion pour nous saluer Fincha ensemble avec Ousmine et puis toute équipe technique là qui gagne avec tout le monde qui t'a participé pour permettre et puis tout supporter tout et sponsor et qui sponsoriser qui permettent que nous t'es capable et faire et premier pas ça donc puis gros pas faire et samedi et qui a venu là et puis Wendy c'est lui même qui chef équipe technique là c'est lui même toute bail dans plein et mais tout nous gain quasi nous gain tout le monde qui mobilisé nous déjà remercier mais n'a venir en liste plus complet. Nous parler dans Antigouave avec un correspondant nous René Innocent Desgranges concernant baccalauréat permanent inspecteur bureau district Léo Gadnan Emmanuel Sanon et fait connaître ministère éducation nationale déjà prend toutes mesures pour permettre examen permanent qui commençait jeudi à qui aboutit le 20 et bien passé gain 800 candidats et qui a subi examen ça dans zone Tigouave Léogane à Grandgouave plus détails à Connay Innocent Desgranges inspecteur secondaire bureau district Léogane BDS maître Emmanuel Sanon fait connait toute disposition déjà prend pour bon déroulement examen officiel bac permanent qui doit commencer 17 décembre 2018 là district a recevoir 800 candidats pour 3 communes Léogane Grandgouave et Tigouave 30 surveillants 2 superviseurs pour 3 communes d'après inspecteur Emmanuel Sanon bon en fait toute bagarre est censée prêt puisque matériel pour déroulement est en la commune là vous voulez en distriam le district c'est Tigouave Léogane Grandgouave et c'est 800 élèves qui gagnent pour tout district mais après Tigouave il y a environ 15 salles là il a composé dans deux centres c'est lycée Faucin-sous-Luc pour Tigouave et Grandgouave tout et lycée Anacaona de Léogane pour Léogane son bac permanent c'est dans philosophie ministère là pour permettre à ce que si là qui pas passer dans examen de juin il ba une opportunité pour capable composer deux fois par année en façon telle pour capable préparer pour y aller à l'université. Inspecteur a souhaité candidat yo respecter principe ministère amendé pour adopter tant coup téléphone cellulaire candidat ou pas doit utiliser sinon y a tomber en bas sanction. Donc n'a pas tenu dans un climat tout à fait serein que tout bagaille passe bien. Ça c'est pas l'utilisation du téléphone qui est interdit, c'est le port du téléphone portable. Parce que ça c'est une faute grave que tout candidat qui est en connaît que pour pas venir avec. Toutefois, en pile candidat montré yo déjà paré pour subir examen officiel là qui c'est comportement normal majorité élèves qui travaillent pour réussir dans examen final yo René Innocent Desgranges Tigouave Radio Kiskeya merci nous parler dans gardance concernant examen ça toujours qui commencer journée jeudi dans commune et Jérémy d'après sa correspondant nous fait nous connaît il parlait de 1070 candidats qui a participé selon directeur éducation dans département gardance Jean Ernso Dauphin et qui m'a des candidats yo conformer yo à un principe ministère pour capable et bien subir examen Charles Emile Joassin pour plus de détails
Dans une conférence pour la presse, directeur départemental Grand Est, Jean Enso de Fin, fait qu'on est week-end passé, examen pour 1070 élèves classe philo a démarré sorti 17 pour arriver 20 décembre 2018 là, dans siège Jérémy. Côté tout élève dans le département, il y a bien pour réunir dans 400 salles. Lycée Néo Alexis, lycée de jeunes filles, FACAP et Hortensius Merlet. Directeur départemental d'éducation de l'Anassan dit même mesures disciplinaires, toujours Kembe, tac au téléphone interdit, poule, tenue décente, pantalon chita dans cette tuyau et l'atelier. Non, c'est le siège, nous centralisons dans Jérémy parce que nous n'avons pas assez effectif et même moyen pour nous capables de dispatcher deux, trois sièges différents qui tapent à l'audit tâche. Nous et qui tape dans nos plus problèmes. Donc, l'ancien Jérémy a gagné 4 centres, a gagné 40 salles. C'est là qu'on a fait. Et centre Sahayo, c'est lycée Noël Alexis, lycée GNF et FACAP avec, je crois, l'école professionnelle autant que mes fidèles, autant Suisse Merlet. Donc, l'ancien Sahayo, on a gagné même gens, surveillants, superviseurs, responsables centraux et nous-mêmes, qui a assuré délégation, assurer supervision, contrôle là et aux surveillances la police. D'après directeur départemental d'éducation de Gandasla, Jean-Enso Dauphin, tout surveillant quelconque, yo Takembe, qui tombe sous le coup de la loi, a bien pour sanctionner même gens avec élèves. Charles Émile Joassin, Radio Kiskeya, Jérémy. Merci. Nous pour aller dans la Tibonite, plusieurs étudiants UPAG, Université en région, dans Gonaïve, t'es dans la rue pour manifester. Et côté, yo annoncé, oui, diverses organisations populaires dans Gonaïve, oui, manifester. Une marche symbolique pour dénoncer la vie chère, insécurité, et puis avec Goudla qui pas vaut rien encore. Et manifestant, yo, et parler de divers autres points. Gen la dan yo ki te pied à terre do tourni assiette à kien nan men yo pour mande justice sociale. Yo fait connaître yon avertissement, yo voye bay autorité qui sous pouvoir yon façon et pour prendre responsabilité. Au plus détail correspondant nous nan ou Tibonite lan José Jean-Baptiste. Dimanche 16 décembre, c'était occasion pour étudiants dans l'université publique la Tibonite là dans Gonaïve avec diverses organisations populaires manifester dans 4e ville pays. Yon côté étudiants yo pied à terre dos tourné assiette à kien nan men yo manifester silencieusement pendant yo t'a parcouru divers rue la ville là sans dire un mot sous 34 qui était nan men yo étudiants yo t'ai fait passer revendication yo. La vie chère, insécurité, injustice, dollar, cap monté bois qui te goudlan, c'est tout ça yo qui te fait étudiant yo foulé béton an. Dimanche ça. Nous-mêmes, en tant que jeunes, 16 décembre, il y a des bagages qui veulent dire pour nous. Nous-mêmes, comme étudiants, nous ne sommes pas capables de quitter une date comme ça, passer inaperçu. Dans le cadre de ces revendications, nous avons demandé justice sociale. Nous avons gardé, nous prenons la rue à pied à terre, nous prenons avec une assiette, non, mais nous qui est là-dedans, proche nous l'envers. Et avec revendication, nous avons écrit son marche symbolique, son marche silencieuse que nous faisons. Président, ce président Kapesoumati, nous sommes capables de constater, il n'y a pas jamais dit rien qui est concret. Nous prenons la rue à pied à terre, de tout ni. Donc ça veut dire que son pays qui est dépourvu de tout. Pour nous dire l'État, ça, nous insatisfaits. Nous insatisfaits. Nous, je dis, nous avons une sortie entre Goudla avec Goudla. Et nous avons plus de goût, nous plus de misère. Yon l'autre côté, fond des organisations populaires Gonaïves te manifesté yon même tout pour dénoncer façon yon dit pouvoir être calé numéro 2 à mener bac pays. Porte-parole famille Lavalassane en Gonaïve et qui est Serafin qui était dans tête manifestation, ça a dit yon bouquet en bas pour voir peser sous ces Jovenel Moïse qui vient compliquer situation la vie masse peuple. Fait qui est Serafin. Nous avons toujours parlé des revendications, à savoir grand goût, la vie chère et sécurité. Parce que l'homme garde la vie chère, cap croisé, pied sous contre l'estomac, malheureux. Tout le monde a brûlé, tout le monde concerné de comment la situation est. Je ne sais pas comment Jovenel Moïse a dirigé le pays. Parce que tout le monde reconnaît Jovenel Moïse son corrupteur. Tout le monde ouais. Quand Jovenel te dit, l'idée dit la pète l'argent dans la poche tout. Effectivement, nous, jour et jour, l'argent dans la poche là, la mettre dans la poche toi. Retirer l'argent dans la poche malheureux, mettre dans la poche de notre pays, a mal dirigé, pays a dirigé par des brasseurs d'affaires. Fondi et étudiants et membres organisations populaires, ils disent que c'est un signe d'avertissement et voué par l'autorité qui doit répondre à la revendication pour Pita Papitris. Gonaïve, Josué Jean-Baptiste Kiskeya. Nous avons toujours été dans le département de la Tibonite, non? Secteur démocratique dans le bas de la Tibonite, critiquer le pouvoir en place, non?
yo di ki enterré pays a nan trou pifon nan gagote l'argent d'état. Ça yo dénoncé nan conférence pour la presse yo ba hier. Organisation ça secteur démocratique ak populaire a invité tout citoyen lever campé jusqu'à 31 décembre nan pour lever 1er janvier pour exiger pour Jovenel Moïse quitter pouvoir. Plus d'état correspondant nous nan bas la Tibonite nan 1100 Davis. Secteur démocratique, Brèche Bala Tibonite là, recontacte la presse 16 décembre 2018 là, pour critiquer le pouvoir en place là, il dit qu'il a un pays là, non tout pis fond, non gaspillé l'argent sans contrôle, artisan mi. Trois dirigeants, secteur démocratique là, non Saint-Marc, Jérémy Louis, Blaise Tobin, Pierre Illus, à Walker Télémac, pas de mettre de l'eau bouchon. Pour partir à votre autorité en place. Jusqu'à cette présente minute, centre de réception et de livraison passeport, ça n'est pas qu'aux jambes ouvrir. C'est ça qui fait que nous-mêmes, au niveau secteur démocratique et populaire, CEMAC, nous dit que ça allait intéresser nous. Tout le monde, à la ronde des professeurs d'école, directeurs d'école, paysans, pasteurs, professeurs en général, rendez-vous à casser 31 décembre pour le 1er janvier. Parce que sous plat, Napoël, sous route nationale numéro 1, pour nous dire Jovenel Moïse, cette fois-ci, nous bouquons avec. Nous pas notre rêve, nous pas contre rêve là. Parce que si Jovenel Moïse avec tout acolyte, lui-même avec madame, il n'y a pas de rêve dans sa clé corruption, nous même tout, nous pas jamais prendre rêve tout le temps. Jovenel Moïse va quitter le pouvoir. Parce que comme on comprend, je dis à la, bon bureau sous Saint-Marc, il y a 7 millions de gouttes qui débloquent pour lui, bureau a fait déjà, et il va jamais carrer. Personne ne va contre vous. Trois dirigeants, secteur démocratique là, Jérémy Louis, Blaise Tobin, Pierre Illus, à quoi le Télémac fait qu'on est, pour Jean Misé, mettez peuple haïtien à genoux, si on quitte le président Jovenel Moïse pour 1er janvier 2019 là, au pouvoir, population a mouru à grand goût. Bala Tibonite Saint-Marc, 1100 Madeus, Kiskeya. Nous pouvons quitter la Tibonite, on a retourné dans la Tibonite, là, côté ministre de la Santé publique et la population, Dr. Marie Greta Roy Clément, lancé samedi qui se passe là pour gérer les Prisma, qui doit intégrer question santé, maman et petit, Timon Petit, dans Gonaïve. Ministre de la Santé tout profiter, remettre clé 9 ambulances, bail service ambulancier, région, d'après sa correspondant, Fenn Konen, José Jean-Baptiste, pour plus de détails. Ministre Santé publique l'a lancé journée samedi 15 décembre 2018 projet prise en charge intégrée santé maman ak timoun piti dans cité indépendance là. Docteur Marie Greta Roy Clément fait connait l'état à travers gouvernement Moïse Seyan voulait accompagner famille yo nan fait rejoindre bon gens la soignay dans région yo. Numéro 1 MSPP a déclaré qu'avec projet Prisma pral gagnon net amélioration dans façon femme ti fi ak ti moun piti pral jwenn service santé dans département la Tibonite là. Un procédé de lancement du projet de prise en charge intégrée de la santé de la mère et de l'enfant Prisma 2, lequel vise l'amélioration de la santé des femmes, des filles et des enfants de 0 à 5 ans dans le département de l'Antibonite. Ministre Santé publique l'a profité remettre clé 9 ambulances à service ambulancier région pour y arriver pour te secours bay moun qui nan nécessité dans diverses communes département la Tibonite là. Fondi projet prise en charge intégré santé maman ak ti moun piti qui pote non Prisma 2 a duré 5 l'année et a coûté environ 20 millions de dollars canadiens et c'est pays Canada qui bay comme ça. Gonaïve, Josué Jean-Baptiste Kiskeya. Puis, nous avons quitté la Tibonite pour prendre direction sud-est, qui est le dernier coup de pied en province, je dis. Population dans la localité Coq-Chante, 9e section communale Jacques Mel, rend un dernier hommage à Jean-Henri Chéri, qui a fondé l'école L'Amitié Sodec. C'était samedi qui se passait là, et cérémonie a été faite. Luc Ned Dumont, un ancien élève, a fait un pile éloge. Et pour fondateur l'école ça dans l'année 1986 qui permet un pile petit monde qui pas capable à l'école bénéficier l'école gratis yo débay yo uniforme livre et même manger et d'après ça déclaré dans occasion cérémonie hommage ça plus détails correspondant nous dans sud-est jeudi Monouz.
Communauté Caïmatin, localité Coq-Chante, nouvelle section communale Jacmel, rend un hommage possible à fondateur l'école L'Amitié se déclare samedi 15 décembre 2018. La cérémonie hommage a été déroulée en présence de plusieurs personnalités, élèves et anciens élèves, parmi eux, directeur salle des nouvelles, signal FM, Tom Dimon, et un ancien élève, Lickner Dimon, fait qu'on est Jean-Henri Chéry, qui a fondé l'école en 1986 pour te permettre à Timoun dans la communauté de jouer une paix de l'instruction gratis et puis bah uniforme livre à manger d'après Lickner Dimon départ bien fait ici là Jean-Henri Chéry qui est mort à 73 l'année plongé communauté à l'angoisse chagrin parce que d'après lui ça a dit 100% l'élève qu'on réussit dans le résultat certificat et un ancien directeur Jacques Petitfort qui était bail service li à établissement scolaire cela il y a une gros inquiétude sur l'évolution de l'école cela après départ fondateur l'école l'amitié sous déclare Jean-Henri Chéry, nouveau directeur, Pierre Joseph, qui lui-même, salué de par grand homme, c'est là, Jean-Henri Chéry, mandé petite coque chante qui te prend plein de l'instruction dans l'école, c'est là, pour continuer Eve, bien fêté, c'est là, parce qu'il y a un pile professeur qui peut toucher, n'a pas plein, groupe ancien élève l'école, l'amitié sous déclare, nous faisons cérémonie, tu remets une plaque donnée à ancien directeur l'école, c'est là, policier Jacques Petitfort, avec cinq lots à ancien pionnier. Ni l'école c'est là, n'a pas souligné fondateur l'école l'amitié se déclare Jean-Henri Chéry est mort 15 septembre 2018 et chanté funérailles le 25 septembre 2018. Jamel Jeudi Munoz, qu'est-ce qu'il y a? Merci d'avoir entré dans Port-au-Prince. Hier c'était 16 décembre qui t'est fait 28 ans depuis tes grandes élections historiques qui t'est faite qui t'est pour Jean-Bertrand Aristide et sous pouvoir sous initiative diverses et groupes non tendance politique ça. En pile là dedans qui n'a opposition avec pouvoir plusieurs centaines de monde en pile nan yo te gagné maillot avec photo ancien président sou yo te prend la rue pour te participer dans manifestation qui pas fait recette et pour exiger démission Jovenel Moïse mandé procès Petro-Caribéen manifestation qui pas rassembler trop monde contrairement à espoir et organisateur te gagné et te gen plusieurs points côté yo te gen rendez-vous devant l'église Saint-Jean Bosco et place des Salines passer la Saline Belin Carrefour Payant pour al déboucher sur route Delma manifestation t'après craser dans moment yon groupe et partisan et famille Lavalas t'est décidé pour te prendre direction route aéroport pour al déboucher tabac et côté résidence leader famille Lavalas nanyé. Pendant ce temps, il y a l'autre branche qui était choisi pour te prendre direction et Pétionville. Et bout pour bout, la police te mettait tout le monde d'accord. Elle te vide gaz lacrymogène sous yo et tiré en l'air pour te empêcher deux groupes sa yo prendre deux directions contraires. Et dirigeant famille Lavalas qui était là, ancien président, chambre d'ancien ministre, ancien candidat à la présidence Yves Cristallin, ancien ministre affaires sociales, et te présent dans manifestation ça là était dans zone la Saline déclaré si pas de gain coup d'état pays a pas en retard comme ça 28 l'année après selon Yves Cristallin les journalistes qui étaient là te poser la question est-ce que famille Lavalas pour compte li dans opposition qu'arrivé mettre Jovenel Moïse à tête sous pouvoir lui répondre pour dire c'est peuple qui va le décider sous bois parle gagner l'autre dirigeant famille Lavalas docteur Mirto Julien et qui était présent tout li fait connait parti Jean-Bertrand Aristide la pape Jean Alchita dans dialogue à gouvernement Moïse Seyan et parce que d'après ça dit faut que peuple en joigne justice nous invitons à écouter deux dirigeants famille Lavalasayo et Yves Cristallin et Mirto Julien et parmi dirigeants famille Lavalas qui était présent dans manifestation ça qui pas un succès hier 16 décembre n'était pas les comme ça dans micro Gervens Ricardo Jean-Jacques 16 décembre, on a écrit dans l'histoire des Haïtiens, qui écrit dans l'histoire du pays. Aujourd'hui, 16 décembre 2018, ça, c'est un jour pour les Haïtiens de fêter. Si pas de coup d'État, 91, côté Boissa où ils ont tué plus de 5000 francs actuels. Si pas de coup d'État 2004, je dis à fêter pour nous fêter. Malheureusement, depuis 1990, il y a un laboratoire qui campait contre les Haïtiens, qui sont pour éliminer les Haïtiens, pour détruire les peuples. Peuple intelligent,
parce qu'on pas qu'à effacer date ça dans l'histoire peuple haïtien. C'est pas seulement dans cœur lié, il dans nom et tout parce que décembre ça son décembre résistance pour demain carabien délivrance totale capitale. C'est pour peuple a pas peur, pour peuple a pas peur. Prend la rue à continuer mobiliser pour demander pour une chavier chaudier ça pour peuple a monter chaudier par là sur roche du fait qui c'est transparence, justice, participation pour peuple a retourner côté pays. Si pas de coup d'état, nous pas en retard. 28 ans après, nous constatons que le peuple a gagné presque même revendication. Pour quelle raison? Parce que nous avons fait 7 mois sous pouvoir. Côté tout le monde qui était dans les pays étrangers, diaspora, tu as entré en Haïti parce que tu es ouais, le président ici. Symbole, changement pays. Et famille Lavalas, était encore aujourd'hui après la palais, les outils pour qu'ils changent. Est-ce que famille Lavalas, pour contre l'ICA, arrivé à déchouquer le journal? Non. Oui. Non, famille Lavalas, le peuple haïtien a déchouqué. Oui. Et maintenant, c'est le peuple haïtien qui mobilisait pour déchouquer le journal. Et à bien sûr qu'elle nous laisse nous. Nous ne pouvons pas négocier ni dialoguer avec un gouvernement qui est illégal, que nous ne pouvons jamais reconnaître, qui ne pouvons jamais travailler pour le peuple et qui en fait a massacré le peuple. Quand il y a là, il faut nous gonfler pour être nous, pour nous chavirer chaudière, pour nous changer le système. Pour qu'on y a, c'est priorité majorité qui vous passe en vain, priorité bourgeois l'idiot qui mettait le système là pour faire le système baiser sous serre, continuer à quitter nous dans le grand goût, dans l'insécurité, avec tout ça qui parle. Qui fait que qu'on y a jusqu'à présent. C'est 100 peuples seulement qui ont coulé. Et il faut 100 peuples suspendre couler. D'abord, c'était ancien président Chambre, ancien ministre, ancien candidat à la présidence Yves Cristallin. Et puis, docteur Mianto Julien, qui t'a parlé comme ça. Et dans le micro, Gervin Ricardo Jean-Jacques, pendant la manifestation, t'a passé dans la zone de la Saline. Et manifestant, qui t'a parlé dans le micro Radio Kiskeya, et pas rater occasion pour te retirer chapeau devant leader famille Lavalas Jean-Bertrand Aristide considéré n'a cité comme un roi yo sémenté pour yo arriver forcer équipe qui sous pouvoir bail talon n'a coûté quelques dans manifestants yo et Lavalasien qui t'ai parlé comme ça dans micro Gervin Ricardo Jean-Jacques m'a dit respect pour roi docteur Jean-Bertrand Aristide premier gros moto et garçon, peuple a été sorti 16 décembre 90, en foule, en masse, je dois voter roi, docteur Jean-Bertrand Aristide. Mobiliser devant ce Jean Bosco pour nous sortir, pour nous demander 3 800 000 000 $. Je dis à ce jour, peuple là, comme Petro Caribea, il faut que nous jouions. Parce que comme Petro Caribea, il faut jouer. Et pour jouer, il faut que nous jouions. Comme Petro Caribea, il faut que nous jouions. Comme Petro Caribea, il faut que nous jouions. Comme Petro Caribea, chaque jour, nous jouions nos pays. Pas jamais des monde qui dit rien. Je le dis à nous, pas qu'à dire nous fiers. Parce que c'est un pouvoir fasciste qui a dit GPI. C'est même Duvalier Richaud qui a dit GPI ça. Et ça a fait un massacre à Saline. Puisque nous sommes 53 mouns mourir, perdu la vie, disparaître, bouler, chier avec cochon manger. Je le dis à c'est pour le peuple à seul. Pour nous faire un seul, on l'a 16 décembre encore. On l'a 16 décembre, côté près des sports là, avant couler pour majorité. Parce que je le dis à pouvoir ça, réduis-nous à tes plates. Parce que le peuple là pour fatra. Je le dis à nous dire non, nous ne pouvons pas fatra. Parce que nous ne pouvons pas faire dans le monde. Déjà, c'est impossible avec unité, une avec l'autre. Je tiens encore une fois, nous, et ensemble, secteur démocratique, partisans Lavalas, partisans secteur démocratique, là, nous refoulons Macadam encore une fois pour nous dire les pays-alistes, pour nous dire la communauté internationale, nous-mêmes en tant que peuple, nous qui démocratie participative à la caille. Je tiens les pays-alistes qui ouais peuple ça, à marcher vers la démocratie ça, je dis faut que vous cassez la bataille peuple là. Et nous-mêmes, ensemble dirigeants en de secteur démocratique là, famille Lavalas, petite de Saline, toute organisation de base, nous disons nous pas faire bac. Système ça qui là, qui représente l'oligarchie, qui représente l'impérialisme mafia, nous disons faut que nous chavirer le système ça. La seule façon nous gagner pour nous chavirer le système ça, c'est à travers la mobilisation générale, à travers quatre points pays, pour nous dire l'agent Petro-Caribéa, faut que nous joignions qui nomme le système ça. Nous prenons deux coups d'état parce qu'on a défendu la grande majorité. Je tiens
Nèg yo te di a donné contrat social. Nouveau contrat social ça, c'est même ces nèg ça yo qui imposent Jovenel Moïse là. Nous dit nous pas faire bataille pour chavirer système ça qui pas camper dans route et nous aller jusqu'au bout. Voilà, Golobo, militant, famille Navalas qui t'a parlé comme ça, non micro, reporter non Gervin, Ricardo, Jean-Jacques Serge Jean-Louis, Mopod qui était présent tout. Bon, il a parlé de présence Chiler Louis-Dor et dirigeant mouvement patriotique populaire de Salinière, Mopod, ancien député marchand de Salinière, Serge Jean-Louis, et sous parcours manifestation 16 décembre hier, reconnaître. Division qui n'a mis en opposition fait que la capacité de mobilisation est réduite. Ça qui explique l'échec de manifestation par rapport à la manifestation. Ça, tu es supposé y qui prend le fond tout, malgré pas de grand pile monde, en deux dans le CAFO aéroport. Li avoué scénario qui passe le CAFO aéroport hier dimanche, non? Rivé déjà dans le mouvement qui compte fait, nous songez déjà, oui. Et Serge Jean-Louis, qui avoué 16 décembre, non? Et gagne un sens spécial pour mouvement Navalas là, mais c'est pas propriété mouvement famille Navalas lié, c'est un mouvement historique, c'est une bataille en pile monde payé très cher et pour être capable ouais et victoire ça à voter sans que c'est pas un monde qui a les âmes sous ou qui d'où qui gens pour voter et sans que vote là pas fini dans son peuple là genre que ça t'est fait et immédiatement après il était fini capoté régime du Valier en 1987, 29 novembre. Et l'Iré était quoi? Opposition, quand même, malgré et quoi, il a c'est marée basse pour lui, des mouvements, c'est dans le sens descendre nier, malgré ça, il croit qu'il a arrivé remonter pour jeter Jovenel Moïse sous pouvoir. Et il dit que le gouvernement n'a pas besoin de courir, battre bravo ni boire champagne. Et n'a pas invité au tendé, et il y a un dirigeant Mopod, qui est ancien député Serge Jean-Louis, qui t'a parlé comme ça dans le micro, Gervin, Ricardo, Jean-Jacques. Nous avons fait 4 temps dans Pessoville pour nous donner un message très clair. Bye! Vous jouez à l'olite que vous avez. Mais ça passe. Bon, moi, je suis décidé pour aller d'abord. Non, il faut comprendre bye, ça. C'est vraiment son produit du 16 décembre. Il faut comprendre que 16 décembre, non, puisque c'est, je vais dire ici, c'est des leaders charismatiques qui sont dans le secteur. Et puis, c'est eux qui convoquent manifestation. Bah, nous avons appuyé dans la démarche. Comme si, moi-même, son petit 16 décembre 90. Lors du 16 décembre 90, ça, c'est l'ensemble des secteurs démocratiques là. C'est le mouvement démocratique là, TFL. Bon, bah, à l'arrivée là, bon groupe qui décide pour aller là-bas. Et puis, il y a des groupes qui disent qu'on va estimer que pour aller à la fête là-bas, parce que là-bas, il y a des Caraïbes. C'est prêt direction, navire 40 et le groupe a décidé de aller là-bas. Dès pour venir le 16 décembre, il faut qu'on ait les dominants la Valassienne. C'est en vérité. C'est en vérité, ouais. Mais ça qui est important pour nous-mêmes, c'est que aujourd'hui, comme nous qui faisons partie du secteur démocratique, du mouvement démocratique, là, nous présentons justement pour me raconter des bagages qui étaient passés et qui mènent nous là. C'est pas la première fois que ça arrive, non? Ça arrive plusieurs fois, on fait manifestation pour dire qu'ils sont là-bas, il y a des gens qui ont appuyé, qui eux-mêmes n'ont pas choisi de aller là-bas. On va aller au Romain. Donc c'est aussi simple que ça, mais ça qui est important pour nous-mêmes, c'est que 28 ans après, nous-mêmes nous devons marquer présence dans la rue, comme les gens qui étaient à 16 décembre, qui étaient soutenant Konakrom, qui étaient dans le FNCD. Pas ça, pour y'a qu'on y fait. Mais là, ils arrivaient dirigeants, ils ont réfléchi, ils ont pris conscience de ce qui passé, et puis ils ont chita, ils ont corrigé ce qui était bon. On parle de mouvement. Dans la vitesse de Poissy et d'arriver quand même à verser le régime qui est là en face, ça va régler l'activité. On va continuer. On toujours nos démarches pour unité. Quelle bataille qui va le faire, qui va rassembler différentes forces progressistes pour nous faire une bataille avec. On sait l'objectif, on sait le dire. Renverser le régime qui est là et puis établir notre régime à travers un nouveau système qui va organiser pour la conférence nationale et pour Saint-Pétro-Caribé et pour le reste. L'ancien député Serge Jean-Louis, dirigeant Mopod, qui était parlé comme ça, dans le micro Gervin Ricardo Jean-Jacques.
Toujours sur Radio Kiskeya, on suit un journal 4 heures. Merci d'être qu'on fait une confiance pour informer. On a retourné encore une actualité internationale là. Nous sommes sorti Madagascar qui parle d'élection demain. Mais c'est dans le finissement ce maintenant, dimanche, pour aller élection. Et dans Kinshasa qui t'a supposé virer plusieurs chapitres dans ce qui concerne les familles Kabila. À 47 ans, président congolais Joseph Kabila. Monsieur Papa le prendre retraite politique, c'est ça le dit, et des journalistes occidentaux. Si Livini, premier ancien président qui a quitté le pouvoir pour une élection faite, parce que vous quand même connaissez si ça est possible dimanche. Et en tout cas, il dit pas prêt aller à faire vacances ni dans Bahamas, ni même aller en Espagne ni Dubaï, quel que l'on soit côté, d'après ça, Kabila a déclaré. By journal belge donc qui ancien puissance coloniale là et Belgique et journal belge le soir là nous interview by parce qu'il faut nous dire que Kabila est pas monde qui by interview il by conférence pour la presse est très 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 rare il fait déclaration ça la veille élection qui supposée faite dimanche qui a venu là 23 décembre et élection côté que t'a supposé remettre en pouvoir et tout président est passé en vannio. Et ou bien c'est renversé sous pouvoir, ou bien mourir sous pouvoir. Et tant que papa, Laurent Désiré Kabila, l'y remplacé après fin assassiné dans date 16 janvier 2001. Et Mobutu, après plusieurs années de domination, t'es obligé de quitter le pouvoir parce que justement Kabila t'es capoté sous pouvoir. Et qui ça l'y pral faire? Et lui-même qui est considéré comme plus jeune chef de l'État dans tout le continent africain. Et si que effectivement élection faite dimanche et que gagne un parti ou bien parti parlant bien n'importe l'autre monde remporter la victoire et c'est pour une première transition pacifique pour voir qui pourra faire tout bon vrai ces questions ça il a posé déjà il dit mettez blague sous côté m'a prêté dans pays d'après ça le répondre bral occuper de en pile bagaille d'après ça ajouter devant journaliste le soir et journaliste belge dans la vie tant coup dans politique pas exclu en rien d'après ça Kabila déclaré devant médias britanniques et médias américains qui t'a posé la question et il dit autant juste dans l'année 2023 dat ça y a une réponse concernant avenir politique li. Et dat ça il pas prendre pas et pas par hasard il cité 2023 parce que si effectivement élection déroulée Jean que ça prévoit parce que ça fait 2 ans que t'es pour te faire élection pas faire si moun qui élu en pral remplacer là t'as effectivement élu c'est pour 5 ans mandat et mandat l'a fini 2023 et selon constitution Kabila capable font l'autre mandat encore et 5 ans et d'après ça il prévoit mais qui pas renouvelable avec 2 ans il prend retard avant d'accepter pour élection organisée. Finalement, il choisit dans le mois d'août un dauphin et il renonce pour ne pas faire un troisième mandat. Si vous le faites, c'est un coup d'État pour le faire avec force. Bon, il choisit pour ne pas faire. Il nomme un dauphin, Emmanuel Ramazani Chadari, qui est ancien ministre intérieur. Il mettait tout moyen dehors pour monsieur ta supposé gagner l'élection 2018. Nan. Président congolais a déjà préparé avenir matériel et politique, d'après ça, il dit. Je vais occuper de fermer yo parce que le printemps, et c'est ça, il dit journal le soir. Il a fait référence à pile et paquet tel il gagne dans zone Tankou et Kingakati, ou bien qui tout près capitale la Kinshasa, ou bien dans Katanga. Bien entendu, et dans le pouvoir, c'est ramasser pour tête avec famille. Une enquête agence américaine Bloomberg menée dans le mois de décembre 2016 nan, fait qu'on est Kabila et famine yo ramasse un véritable trésor et pendant passage dans tête pays à 17 ans et monsieur gagne un réseau business dans toute qualité recoin économie pays ça qui charge à richesse et qui gagne l'or qui gagne diamant et qui gagne plusieurs mines qualité mine yo dit que famille Kabila dans tout aspect dans l'économie congolaise là et selon Bloomberg et sous plan politique constitution garantit ancien président un poste sénateur à vie en plus de ça Kabila il prend soin
et de tête li côté le mettait une coalition politique déjà campée et qui gagnait plus fort monde qui était dans pouvoir avec lui dire le front commun pour Congo FCC Kabila c'est lui-même qui président à vie font ça il aurait l'autorité morale FCC et selon une expression que tout le monde dans la République démocratique Congo censé connaître en plus de ça président li gagne la main sous la main ensemble avec appareil sécurité pays a deux principales pivots et état congolais la veille li t'a nommé Dauphin là dans date 8 d'août là Kabila te tout paraît sous antenne chaîne télévision l'état RTNC pour installer un nouveau chef état-major avec dans tête li général Célestin Mbala et Kabila fait promotion tout dans poste inspecteur général force l'armée John Numbi que au suspect qui était principal responsable assassinat militant droit monde Floribert Chebeya ensemble avec chauffeur et John Numbi fait partie de 14 personnalités congolaises Union européenne by sanction pour violation droit monde qui pas ca et voyager dans union il dit moi-même moun sa yo que l'Union européenne prend sanction contre moi-même faire confiance de façon totale capitale et surtout officiel armée d'après ça Kabila déclaré dans journal le soir journal belge nan. Et il dénoncer sanction Union européenne prend contre protéger lui parmi 14 personnalités ça yo Union européenne prend sanction contre yo gain deux l'autre fidèle et président Kabila qui occupait deux postes stratégiques dans appareil sécuritaire c'est patron renseignement intérieur et militaire et qui c'est deux monde qui sous contrôle li. Une source dans présidence dans fait connaît pour Kabila, li pral continuer contrôler sécurité ak politique paysan et président pral élu l'a gagné pour l'occuper de affaires courantes ak questions économiques. Ben faut conditions politiques qui permettent que Kabila capable jouer rôle ça vraiment, ça veut dire faut ta quitter pouvoir et à partir de l'élection qui supposé faire dimanche temps. Alors que qui ça tout pour nous, yo wè que un paquet d'agitation qui a fait la veille élection et yo supposé ba résultat élection 30 décembre et probablement candidat yo gen pour aller devant la cour constitutionnelle là pour faire contestation et prestation c'est un nouveau président qui élu en ta supposé faire 12 janvier 2019. Mais est-ce que Kabila a quitté pouvoir? Président République là, il supposé rester en fonction jusqu'à ce que président qui élu remplace elle et c'est ça constitution rappelé mais c'est tout ça il y a suivre pour connait est-ce que après Kabila c'est pas Kabila qui est toujours là olapalet.com la caille pas nous représentant 3e circonscription Port-au-Prince dans la chambre députée prétend Bélisère dénoncer président sénat Joseph Lambert qu'on connaît et qui longe droit sous lui comme et parlementaire dicté allé avec machine plaque officielle qui t'a retiré et chef gang Lionel Joseph là dans main la police dans moment t'a mené opération pour te arrêter dans mois novembre et les parlementaires menacés même déjà avec collègue Lio et pour bloquer séance en assemblée nationale et ouverture séance lundi premier lundi mois janvier 2019 là si le président sénat pas présenté excuse les menacés traînaient Lambertou pour diffamation devant la justice. N'attendait qu'il te parle comme ça dans micro Vilner Joseph. Eh bien, nous-mêmes, nous t'es intéressés pour nous connaître qui nos parlementaires ça, qui t'es empêché à Jean-PNH de poser la patte sous cette année ça. Mais malheureusement, au lieu pour M. Joseph Lambert, t'es cité nommément parlementaire ça, nous ouais, c'était un séant qui t'est déroulé autour de ensemble de questionnements. Côté qu'il t'a questionné directeur général de la police là, est-ce que. Et malheureusement tout, dans séance ça, M. Joseph Lambert, t'a pas cité non moi-même, prétend Bélisère, comme député 3e circonscription, à savoir moi c'est un nan moun qui t'est présent pendant intervention policière là, qui te permet que Anel sauvé. Et n'a dit M. Joseph Lambert, prétend Bélisère pas jamais utilisé plaque officielle dans la machine. M'a dit pour toute population haïtienne, même plaque service de l'État, moi pas utilisé dans la machine. Machine n'a pas gagné gyrophare, il pas gagné sirène, il pas gagné plaque officielle. Ça veut dire, deux numéros plaque officielle, ça, M. Lambert, tu es cité pendant la séance là,
nous-mêmes nous disons pas qu'il n'y a absolument rien pour nous ensemble avec eux. Jusqu'à maintenant, si vous mettez le campé devant nous, nous pas même compte qui est-ce qu'il y a en là. Et machine pas maintenant, moi mettez à la disposition de la DCPJ pour vous faire n'importe étude scientifique en dans machine moyen pour vous voir. Est-ce qu'il y a maintenant point Anel là-dedans? L'ensemble des diffamations que M. Joseph Lambert porte contre nous-mêmes sont atteintes à personnalité nous, sont atteintes à moralité nous. Et nous avons renouvelé demande l'ensemble des collègues députés au fait à M. Joseph Lambert. Demande population haïtienne en fait à M. Joseph Lambert. Côté qui a demandé pour le présenter une excuse publique à moi-même. Et si qu'elle pas fait ça, des concerts avec cabinet d'avocat, m'a sommel, et si que n'est pas décidé pour présenter excuse publique ça toujours, donc m'a traîné devant tribunal correctionnel pour diffamation. Tout autant Joseph Lambert pas présenté excuse lui à nous-mêmes, côté que moralement, psychologiquement, famille nous déstabilisé, eh bien nous dit deuxième semestre lundi janvier, la question pour Joseph Lambert présenté au niveau de l'Assemblée nationale pendant réouverture assemblée à deuxième lundi janvier, nous dit c'est oublier ça parce qu'il faut Joseph Lambert connait que nous même qu'a mener bataille politique ça, nous pas contre vendre drogue, nous pas contre voyer tirer monde, machine nous pas contre transporter drogue, eh bien celle ça que nous même nous fait dans vie nous, c'est bataille politique, c'est bataille idéologique bon côté monde qui dans condition difficile. Voilà, c'est député 3e circonscription Port-au-Prince qui est à Bagnères famille Navalas printemps Belizère et qui peut dans pays a parler comme ça dans micro Vinner Joseph une l'autre pas et député a déclaré il paraît pour la répondre invitation juge d'instruction Jean-Winner Morin dans cadre d'enquête juge là a mené et sous dossier disparition journaliste Vladimir Le Gaillard et dans Grand Ravine printemps Belizère dit il y a information juge la part en Haïti, la tante ni retourner pour lui répondre question ni. Et selon parlementaire famille Navalas, non, il c'est une obligation et pour et famille et pour collaborer pour famille Le Gaillard à joindre justice. Député Belizère, et il dit il pas besoin autorisation bureau chambre non pour lui répondre question magistrat instructeur. Alors il pas besoin. De quoi tu besoin n'attendel? Il te parlait comme ça dans le micro, Vinner Joseph. Malheureusement, je n'ai pas pris dans le pays, c'est non ça qui m'apprend. Mais les jours même que je retourne en Haïti, je suis prêt pour me dal devant. Et jusqu'à maintenant, je suis prêt pour me dal devant. Parce que le dossier journaliste gagnant qui disparaît, nous croyons que c'est une préoccupation la caille tout citoyen haïtien qui est lié. Un jeune garçon qui travaille au niveau des presse là. Et jusqu'à maintenant, nous dit et coopération même, li en deuil. Et je dis là, nous connaissons que la presse, qui voit que le gouvernement dans le pays, côté voix, population va arriver ou permettre qu'elle arrive. Donc, si le journaliste a disparu, famille a besoin de lumière faite autour des disparitions, nous-mêmes, en tant que militants politiques, en tant que citoyens, nous-mêmes, nous intéressons tout pour lumière faite autour des disparitions. Et vient joindre, c'est en dans la circonscription, nous dit ça passé. Et quel que soit côté dans le pays, ça t'a passé, faut ça t'a intéressé nous. Et je dis à nous-mêmes, nous disons, juge l'enrêle nous, en tant que citoyens, et ce n'est pas même à titre de témoin, parce que c'était à titre de témoin, c'est le commissaire gouvernement qui a fait appel à nous-mêmes, mais à nous dit juge l'enrêle nous, en tant que citoyens, peut-être capable de besoin quelques informations, puisque c'est dans la circonscription, non, ça a passé. Donc, après, dit ça encore, nous prêts pour nous présenter devant le juge là, et nous pas besoin de bureau chambre de député là, ba nous autorisation pour nous aller. Pas besoin de question d'immunité. Non, écoutez, pas de question d'immunité. Là, c'est une question de un juge qui a mené enquête, qui a mené enquête autour d'un dossier. Juge est capable de décider de quel que soit citoyen sous dossier. Et je me dis, ce n'est pas même à titre de témoin, parce que si c'était à titre de témoin, ce n'est pas juge qui a pris l'aim, c'est commissaire gouvernement qui a pris l'aim. Donc, on ne dit pas que question d'immunité là, c'est une question de collaboration tout citoyen pour que l'immunité soit faite autour des disparitions journalistes de gagner là. Voilà, c'est député 3e circonscription Port-au-Prince, non? Printemps Belizère qui t'a parlé comme ça, non, micro Vilner Joseph. Sans transition, on a pu se voir invité journal 4h après-midi, qui c'est journaliste Israël Jacques Cantave, qui a pu retourner sous événement 17 décembre 2001, lorsque le gouvernement Lavalas a dénoncé une tentative coup d'État
il a dit que tu as fait compte, mais personne ne pas de quoi. Après plusieurs années, Guy Philippe t'a dit effectivement, tu as un plan. Marvel t'a parlé de ça dans l'émission d'Immadio. Et n'attendez Israël Jacques Contave dans le micro, collaborateur, non, Beethoven François Fils. Il a parlé de période ça dans le pouvoir Jean-Bertrand Aristide. Événement 17 décembre, nous n'avons pas qu'à mettre dans le contexte, nous même seulement, non? On fait bacouille chaque fois que nous avons essayé d'analyser l'événement 17 décembre. On fait un bac depuis l'année 2000. Le 17 décembre 2001, on fait un bac depuis 2000 dans l'élection 21 mai 2000. Yo. C'est eux qui ont conduit à une série d'événements et une série d'animosités que le pouvoir, à cette époque, est venu développer par rapport à journalistes. Qui s'est gagné 21 mai 2000, c'est une élection. Côté que l'élection ça a passé, et puis la valeur c'était sorti pour prendre toute bagaille. Nous t'es estimé, effectivement, t'es qu'un bourrage d'une, t'es qu'un pile violence dans l'élection, qui fait que nous t'es expliqué ça tout dans le reportage, nous, et justement, ça a été conduit à l'événement 17 décembre. Nous dire, c'est un supposé coup d'État, puisque on a posé question même en tant que journaliste, et nous n'avons pas qu'à une explication coup d'État. Donc c'est un supposé coup d'État, coup de zame tiré à droite, coup de zame tiré à gauche, et puis nous-mêmes, les NAP fait travail, nous avons fourni, j'ai gardé, nous posons des questions. Donc ça a été fait tout, tu es venu gagner une animosité qui est développée par l'encontre de journalistes. Et puis, bon, le 17 décembre, donc supposé coup d'État à un ensemble de mouvements de protestation dans la rue, parti dans la Valation, ça a été conduit à d'abord incendie de un local en parti politique. Quitte pour une basse. Ensuite, ça devine conduit tout à une espèce de la chasse aux journalistes, puisque t'as assemblé dans Gémoun qui était sous pouvoir dans l'époque. C'est journaliste qui a raconté des bagailles qui fait que l'international a été mal gardé. Et c'est ça que fait. Bon, on va le joindre, il y a un ensemble de journalistes, donc Abel de Colline, donc Robert Philomé. Moi, songer, moi-même, Robert Philomé était dans Vision 2000. Et à cette époque, nous n'avons pas eu, et nous n'avons pas descendu pour venir vivre ici, vivre là-bas. Donc voilà l'événement du Père. Tu es Fares Duvernay, tout. Tu es Fares Duvernay, et puis Yves Clozel Alexis. Là, ça va travailler dans la vision 2000. Tu as travaillé dans la vision 2000, et puis tu es un journaliste Galaxy Abel de Colline, qui connaît un député. Tu es un journaliste Caraïbe, Jean-Élie Moléus. Tu es plusieurs autres journalistes dans la Caraïbe qui étaient victimes, tout. Jérémy Alexandre. Intimidation, Jérémy Alexandre, bien sûr. Intimidation par rapport à travail journalistique et faire journaliste et camper d'Yves Vivaristide, menacer journaliste. C'était des événements qui étaient servis. Mais pour pouvoir être capable de faire une chasse à un ensemble de gens. Après, il y a des journalistes qui peuvent justement, après l'événement, être obligés pré-exil. Dont, comme je l'ai dit tout à l'heure, les amis nous, Robert Philomé. Il y a une supposée tentative coup d'État, après ça, on vient joindre local, parti et puis résidence, plusieurs leaders dans l'opposition ont été saccagés. Et d'avoir fait face avec un groupe de monde, qui, de civils, qui ont des âmes dans main, qui ont été déchaînés et qui ont agi ouvertement dans le non-pouvoir. Et ils ont été ciblés au PL, Feu Gérard Pierre Charles. Qui est de Vans Paul, qu'on a comme Victor Benoît. Donc, ces moments, ça, Mdara dit, qui permettent nous venir faire découvrir ta question, n'est-ce. Oui, bien sûr, parce que dans toute la rue, il y a eu un coup d'État, en tout cas, tentative coup d'État. J'ai expliqué là, il y a eu un coup d'État, parce que je me souviens à l'époque-là, on a demandé, en communication par l'air, on a demandé, bon, qui s'est passé? En réalité, il y a eu bon. Son tentative de coup d'État. Pas de monde qui revendique, pas de monde qui revendique le pouvoir. Et puis, bon, il se trouve que c'était prétexte pour te permettre que journée 17 décembre très très mal passé. À la mesure où j'en sorti là, local parti politique, l'opposition en boulet, ils ont attaqué l'opposition. Et puis, qu'on y a journaliste qui a fait travail d'observateur, ils ont même tout, ils ont vu la cible d'ensemble de monde qui n'a là, oui, avec ZAM. Et que finalement, c'est tout ça qui est contrôle. La police était pratiquement impuissante à cette époque. Donc, bagaille était toujours compliqué dans la rue. Et c'est nous-mêmes qui avons fait face à la situation. Ça, nous avons été journalistes. Nous avons fait face à une situation côté que nous ne connaissons vraiment ce qui est pour nous dénoncer. Parce que nous avons là où on a été couvrir un événement. D'ailleurs, pas contre qui événement, puisque ce sont ensemble de monde qui prend la rue spontanément
comprend que yo pas pour revendiquer yon bagay en particulier, mais yo prend la rue, zam nan men, et puis il a essayé d'attaquer ensemble de l'autre monde, monde qui était dans l'opposition, mais tout journaliste qui t'a raconté comment je n'ai pas fait, parce que nous-mêmes, job nous, si nous avons coup d'État, c'est bon, c'est comprendre qui t'a pas fait. Elle a laissé comprendre, bon, nous pas qu'à une explication, et un papier journaliste qui dit que pas de coup d'État, effectivement, et bon, voilà, ça, c'est assez pour être capable, dans la ligne de mire, ensemble de monde qui t'a pris là, oui. Jacques Maurice, à l'époque, qui était une porte-parole, la présidence d'alors, explication de Bayo, pas privé, convainc Mounio, Boumbadi, journaliste qui était présent, qui t'a cherché qu'on est. Non, information pas privé, convainc, de Mounio, essayer, tenter de parler, dans le premier temps, on était pas avec des étrangers, après ça, on vient de dire non, pas des étrangers, c'était des Mounio qui étaient vrais par coup d'État. Et qui était voulu attenter à la vie du président d'alors, Jovenel Moïse. C'est ça qui s'est passé. C'est tout simplement. Nous-mêmes. Qu'était dit des mouns qui ont gagné en tête, ancien commissaire Guy Philippe, Ouan? Exactement. Donc, c'était même cité. C'est bon flou dans l'information. Et c'est justement flou, ça, que nous avons été en tant que journalistes démêlés. Et c'est ce qu'ils ont dit, chercher démêler flou, là, qui fait nous-mêmes tout, nous vînes pratiquement à cette époque, dans nos demi-heures. Moun sa retour parce que si nous ne pouvons pas poser trop de questions par rapport à ça, si vous dites nous avons une tentative de coup d'État, c'est bon juste admettre que c'est une tentative de coup d'État. Mais en même temps, même si tu as une tentative de coup d'État, ça va pas justifier le niveau de violence qui est venu par la suite, dans la journée du 7 décembre et dans le jour qui t'a suivi par la suite. Israël Jackie Cantave, journaliste témoin événement du 7 décembre 2001, tu as parlé comme ça dans le micro Beethoven François Fils. Olapalais.com. Mouvement colère dans le pays la France, gagne un groupe monde droite, extrême droite, qui levait campé, là de plusieurs militaires contre président Macron, ils ont dénoncé comme un qui a trahi la France, aussi il a signé un pacte Marrakech, là, et chef l'État pour ratifier 19 décembre, qui a venu la semaine ça, dans l'Assemblée générale des Nations Unies. Et ça a provoqué colère plusieurs partis. Et droite, due à extrême droite dans le pays la France, et certains gilets jaunes tout. Levé campé contre Macron, mais tout de gros grades dans l'armée française là, qui accusait le président français Emmanuel Macron. Il dit qu'il a trahi la France. Critique ça a agacé le ministère qui en chargé la question de l'armée, selon le journal L'Opinion qui publiait l'information ça journée jeudi. Il dit la France et Emmanuel Macron, lors pour ratifier le texte des Nations Unies sur la question de la migration, ou a cédé et yon parti dans la souveraineté nationale pays. Ya, et on a pris un risque tout pour faire un paquet d'immigrants qui viennent débarquer dans le pays nous pour coûter un paquet d'argent, mais tout surtout on est coupable d'après avoir un comportement contre au dernier démocratie hein, et même un comportement comme traite concernant nation française là. Et c'est ça qui fait le ministère qui en charge la mer indigné et concernant Mounsayo qui signe lettre tout l'ouvrir ça publié jeudi 10 décembre, non? Et sous site, les volontaires pour la France, et qui présentaient comme association, une mission, c'est défendre l'identité nationale pays la France, et goumen contre l'islamisation pays, association que l'opinion présentait comme droite radicale, et gagne parmi volontaires, volontaires d'honneur, Renaud Camus, et qui gagne une théorie développée, il gagne un plan. Pour remplacer la population française là, ça serait le grand remplacement pour mettre l'autre monde en place, les immigrants. Et ou pas capable de décider ou même seul pour effacer repère civilisation nous et pour priver nous et de patrie charnelle nous, d'après ça, on dit dans tout l'ouvrir ça, et il n'y a pas la Macron, et nous demandons pour camper, pour ne pas signer ça, les pactes ça avec l'autre chef de l'État dans l'ONU, et nous demandons pour faire un référendum. Pour peuple français à prononcer ce document ça parce que ou gagne redevance envers peuple français à dans action qu'on a mené le fait que tu élu ça pas bon droit pour faire son pito à pays la France et d'après ça il a écrit sur site ça et qui publié une pétition le texte là gagne général dans l'armée tant que général Antoine Martinez qui signe en balle
comme président association, il y a 13 autres personnalités là-dedans, des anciens ministres de défense tant que Charles Mignon, il y a 10 généraux dans l'armée française là, un amiral et un colonel qui signent. D'après ça l'opinion précisée et tout militaire qui signe en étant yo seul, yo c'est même ça les deuxième section, ça veut dire yo pas actif dans l'armée mais yo toujours été mobilisable. C'est pour raison ça qui fait ministère l'armée a considéré comme réserve et yo pas gain droit pour prendre position publique contre président la France. Non. Et voilà un groupe militaire et qui levait campé et qui accusait président français sous dossier ça qui est le pacte Marrakech là en pile pays des problèmes et surtout droite à extrême droite dénoncer le fait que yo mandé pays pour recevoir de façon souveraine immigrants la caillou et bien extrême droite dans pays la France pas d'accord. Président conseil épiscopal l'église catholique n'a parlé de lui, monseigneur Loné Satuné installé professeur Jean-Marie Louis qui sont religieux comme nouveau recteur université Notre-Dame nan UNDH Jodial il a un mandat 4 ans il remplacé dans poste monseigneur Pierre André Pierre qui se passait 10 ans dans tête université l'église catholique là. Cérémonie ça s'est déroulée Jodial en présence conseil évêque cardinal Chibli Langlois archevêque Max Leroy Mésidor et archevêque métropolitain et Port-au-Prince monseigneur Pierre André Dumas évêque Nip, monseigneur Ducange Sylvain, monseigneur Jean Désinor, évêque Esch et recteur université publique en tant que privé et puis avec l'autre institution. Dans l'occasion ça, recteur qui allait à monseigneur Pierre André Dumas dit lui content et satisfait de passager dans tête UNDH et recteur qui prallait à remercier tout partenaire technique et financier qui t'ai supporté institution pendant 10 l'année, il était dans tête université l'église catholique là, il rappelait objectif qui était gain. N'attendait monseigneur Pierre André Pierre qui t'ai parlé comme ça dans l'occasion cérémonie dans micro Didier Parent. Il y a 10 ans, j'ai été investi comme recteur de l'Université Notre-Dame d'Haïti. Immédiatement, je me suis rendu compte des nombreux défis qu'il fallait relever. Je me suis fixé des objectifs et des étapes pour atteindre ces objectifs. Il fallait tout d'abord étendre la présence de l'UNDH à travers le pays en multipliant les campus et les facultés. Et ainsi, pour répondre à la vision des pères fondateurs et pour permettre à plus de jeunes de toutes les régions du pays de bénéficier d'un enseignement supérieur de qualité. Aujourd'hui, l'UNDH compte un campus dans toutes les principales régions d'Haïti. Aujourd'hui, je suis heureux et fier de partager avec vous cette information. J'allais dire bonne nouvelle. Oui, c'en est une. Tous les employés de l'UNDH peuvent bénéficier d'une assurance santé pour eux-mêmes et pour les membres de leur famille éligibles. L'UNDH, avec ses 7 UDERS actuels, est une université, une famille unie ayant une même identité, une université catholique ayant une seule mission, une même finalité et une seule référence statutaire. Aujourd'hui, je suis heureux et satisfait de mon passage à la tête de cette famille. Et c'est avec plaisir que je vous accueille, professeur docteur Jean-Marie Louis. Je vous accueille avec plaisir, vous qui êtes de la compagnie de Jésus, accompagné des confrères, les jésuites, comme mon successeur à la tête de cette famille, devenant ainsi le 5e recteur de l'Université Notre-Dame d'Haïti. Je vous félicite chaleureusement et je demanderai à l'Assemblée de m'aider à vous dire bienvenue. Je reviens à mon ami, docteur Jean-Marie Louis. Je vous connais de longue date. Ça remonte au temps révolu du dernier siècle ou du dernier millénium. Millénium aussi. Et je sais que vous avez les atouts particuliers pour réussir dans cette noble mission. Je prie le Seigneur de vous accorder la sérénité et la force pour vaincre les obstacles que vous ne manquerez pas de rencontrer sur votre route. Soyez confiants.
Voilà, c'est Monseigneur Pierre-André Pierre, recteur sortant, nouveau recteur, professeur Jean-Marie Louis, remercier conférence épiscopale là pour confiance placée dans l'île et nommé dans tête université Notre-Dame, non, nouveau recteur qui sont pères, dit qu'il prend engagement pour l'assumer responsabilité, pendant dit qu'il a conscience de qualité des filles qui obtenait. Et professeur Jean-Marie Louis présenté ligne, il va suivre comme objectif, il va tête li dans tête et UNDH. On attendait toujours dans micro dit nos parents. Avec beaucoup de gratitude et de courage, j'assumerai la responsabilité qui m'a été confiée tout en étant conscient des défis et des engagements liés à cette charge. Je salue spécialement le travail réalisé par mon prédécesseur Monseigneur Pierre-André Pierre, durant les 10 années passées à la tête de l'université entre beau temps, tempête et turbulence. Monseigneur, vous laissez une UNDH qui s'est étendue sur 7 diocèses avec 23 facultés et 6 000 étudiants. 3 autres diocèses, m'a-t-on dit, sont dans le processus pour devenir UDES. Il s'agit d'Annie, de Fort Liberté et de Jérémie. Beaucoup de travail a été fait pour la visibilité et le positionnement de l'UNDH, tant au niveau national qu'international. Mais beaucoup de travail reste encore à faire pour consolider les acquis et inventer l'avenir. Accepter le poste de recteur de l'UNDH implique l'obligation de la diriger suivant une certaine vision, implique l'obligation de communiquer un esprit, un souffle, et d'apporter de nouveaux projets et de nouvelles perspectives. À cette occasion où je me dirige pour la première fois à la communauté universitaire de l'Université Notre-Dame, je ne peux m'empêcher de partager avec vous les grandes lignes directrices qui devraient mobiliser la communauté universitaire de l'UNDH durant mon mandat. Souffrez que je vous communique mes 8 lignes directrices élaborées après avoir écouté la conférence épiscopale, le conseil exécutif du rectorat de l'UNDH et plusieurs autres acteurs de l'université. La première ligne, renforcement de l'identité catholique et de l'unité de la famille de l'UNDH. Ma deuxième ligne, la formation intégrale des professionnels à l'UNDH. Ma troisième ligne, gouvernance et gestion efficace. Olapalais.com. Recteur en tête, Université Notre-Dame d'Haïti, Université l'Église et catholique qui installée journée jeudi et dans cérémonie ça et côté évêque yo choisi un nouveau recteur Jean-Marie Louis. Et puis l'autre pendant actualité a gagnant ministre affaires sociales la Marie-Élise Brisson Gelin. Il dénonçait dans conférence pour la presse journée jeudi à mon dit qu'il prend l'argent dans l'état pour l'ouvrir restaurant communautaire et qui pas l'ouvrir d'après sa ministre l'a dit et il parlait de un citoyen dans zone corail il identifié qui est arrivé faire action malhonnête ça et il fait connaître ministère a dirigé a gain inspecteur n'a cité qui a surveillé qui qualité manger qui j'ai distribué dans restaurant ça il fait connaître la police a arrêté tout le monde qui prend l'argent et qui pas distribuer manger yo prend pour bail là n'attendait ministre affaires sociales là ak travail Marie-Élise Brisson Gelin. Nous gagnons selon demande président pour nous faire environ 775 restaurants communautaires à travers pays avec un maximum sous Port-au-Prince. Voilà que nous mettons sur place une équipe d'inspecteurs. Nous gagnons des inspecteurs qui allaient régulièrement dans le restaurant pour aller vérifier non seulement que manger a bien fait, puis fait dans des conditions d'hygiène appropriées, que quantité que vous faites desservie, quantité de monde que vous desservie, environ 500 à 600 monde par jour, et pour nous assurer nous tout que le restaurant aurait été ouvert tout mois, toute longueur mois, parce que nous allons manger pour lui durer un mois régulièrement. Voilà que nous avons un inspecteur nous allons dans une zone et puis il parle restaurant. Entre temps, nous avons une population qui vient dans la faillesse, qui vient dire que
mandé te bon restaurant dans zone ça, yo pa wè restaurant. Donc Paes délégué yon équipe aller sur place pour wè côté restaurant. Nous pas joine restaurant et comme nous connaît chaque monde qui recevoir produit pour faire restaurant, li gagne nous gagne nol, nous gagne nifli, nous gagne numéro téléphone ni nous gagne côté pour nous joindre. Donc nous chercher moun nan, nous joindre et nous pas joine produit yo. Donc nous relé la justice qui fait travail pal, calé qui mandé moun nan pour bay manger ya. Donc li son monde qui interpellé. Ça n'a dit matin, c'est que gagne donc tout monde qui gagne manger à nan main yo, qui poko l'ouvrir restaurant ou qui fait autre chose avec manger nan main yo, nous t'arrimé yo konnen que n'a fait travail pas nous et n'a demandé la justice pour faire travail pas yo. Gagne yon moun que n'était pas la veille qui te dit que c'est bandi qui te prend manger à nan main. Si bandi prend manger à nan main, faut-il bien que bon juge de paix qui ouais ça ou bien te gon parler la police, bon témoin qui te ouais que t'a volé manger à nan main ou te fait la police konnen ou te relon juge de paix. Voilà, c'est ministre Affaires sociales là, Marie-Élise Brisson-Jelin, qui te parlait comme ça. Et puis, il y a un employé dans le ministère dirigé, qui campait travail, jeudi, pour exiger le ministère à payer 3 mois. Il a dit 4 débits, et il a doué. Et employé ça, il a dénoncé l'administrateur. Puis, en même temps, il a demandé pour le président, pour le ministre, t'avouer ni administrateur, ni ministre, non, allez. N'attendez quelques noms dans le micro, Laurie Louis-Jeune. L'objectif nous aujourd'hui, c'est 3 mois, 4 débits. Madame Stéphanie Auguste, ça nous chance. Il fait que nous quimper 4 débits dans nous. Ministre Marie-Élie Gerlin, nous sommes pour éliminer 4 débits dans nous. Imaginons le ministère de la Finance, de l'autre ministère encore, qui doit employer 3 mois. Il va employer tous les 3 mois. Parole qui sont en bouche, administrateur. Il fait nous connaître que c'est comme si son faveur fait nous, puis au nous mois de décembre. C'est contractuel, il crase. Dès le mois, pour qu'on joue le mois de décembre pour le bâton. C'est-à-dire que 4 là, c'est pas l'enfant. L'État ici, c'est une communauté internationale, il y a 4 là. Et nous-mêmes, objectif, nous demandons, c'est pour nous jouer 3 mois 4 là, et pour 4 là marcher comme ça, doit même faire tout le ministère. Nous-mêmes, employés, nous sommes obligés de camper. Malgré torturer, malgré personne, nous toujours aider, nous voulons nos enfants. Mais à l'occasion de 6-4 débits qui sont dans 6 mois, c'est grâce à ministre. Libanoul, si 4 là là pour 2021, Jobanou, 6 mois assez. Reste là, nous mettons là, nous avons 3 mois là, nous ne pouvons pas jeûner. Là, nous tendons nos oreilles, je dis que je prends le banou, mon mois, c'est 6 mois décembre. Nous disons que pour le mois décembre, nous avons 3 mois pour le banou, et pour entrer dans le budget là, ministère ça, c'est arbitré qui est là-dedans, c'est vampire qui est là-dedans. Je ne sais pas qu'on a fait du personnel, on a touché 9 000 gouttes, 11 000 gouttes, puis tu dois à l'école, pour faire un travail chaque jour. Je ne sais pas même pas nous en cadeau et mort, comme employé, c'est celle qui est là, qui souvient nous. On a regardé l'administrateur, c'est peut-être pour cette méchante, pour cela. Ministre, ils font seul avec, pour finir nous. On s'est dérigé, mes amis, et pas pour ça, ministère a été, non. Ministre, ils tout nos boîtes à bolotio, raquette, moi-même, ma prendre des jours. Avec le premier ministre, si c'est mon livre, et vous venez tirer ton cessaio dans le ministère pour nous même employer affaires sociales, pour nous allons souffrir. Parce que là, nous parlons au problème, nous et rions. Voilà, mais ministre, Marie-Élise Brisson, je vais répondre, il dit pas voler l'argent à faire 4 débits, c'est doué, il doué 4 débits qui montent bon valet l'argent. Et de la découvrir Saint-Pierre pour couvrir Saint-Paul dans le ministère, d'après ça, le déclaré. N'attendez Marie-Élise Brisson-Gédin. Le ministre Auguste qui était là, il était fait des démarches pour joindre les cartes de débit que vous avez en général. Mais cartes de débit, il n'y a pas de budget vraiment. Pour à ça qui gagne crédit qui gagne qui permet que toi tous les mois de mois que bayo carte ça pour le cas utiliser, OK. Nous fait recevoir qui sorti banque nationale qui montre nous que comme ça il sera disponible la banque pour nous joindre comme. Mais comme depuis matin nous venons joindre à faire bruit, mais nous pas capable faire bruit pour grand merci vraiment de yo dit on pas la personne sauf à ministre nous dit faire monter en haut ce qui est fait yo monter nous venons y a chanter barre yo et comme nous connaît il y a 2 semaines je te dis que moi dans le ministère avec petit point, mais volé 8 chèques. Comme dit nous, 8 chèques que nous avons volé, pas totalisé 300 000 gouttes. Même David volé 300 000 gouttes, alors que des chèques pour moi qui dévoient 300 000 gouttes, chèque par un monde. Donc là, il y a chanté vol, barré, moi il faut chercher papier, copie chèque que la Banque nationale voyait ban nous, côté lui prouver que nous nous te voyons dans la radio, dans la télévision, qui t'a dit que le ministre te volé chèque là, c'est yo qui te changé chèque, parce que nous avons un recto verso. Non seulement, non, nous là, tout 8
chèque yo, moun ki te pale yo, c'est yo même qui t'a changé chèque. Volé a, et pas moi. Et me dit yo, moi pas prendre pression. Et yo dit ah, ou pas prendre pression, sou pas prendre pression, pas ka dire. Son humain ka fait erreur. Mais éviter faire erreur dans tout ça m'a appelé chèque là, Banque Nationale. Chèque ça li 19,497,250 gourdes. Ce qui veut dire que y a fait bruit, mais pas d'accord moun parler avec. Mais ça dit à l'heure, c'est pour quoi qui dans budget. C'est des crédits par rapport aux dépenses du ministère. C'est-à-dire que si je dis pour me dépenser 500 000 gourdes, dépenser 200 000 gourdes, 100 000 gouttes de crédit, et ainsi de suite. Donc, là, l'augmenter, s'il lui permet de nous payer 3 mois, on a payé 3 mois. Voilà, c'est ministre des Affaires sociales, là, Madame Gérin Brisson, qui t'a parlé comme ça. Et puis, concernant Gilets jaunes dans le pays de la France, ils ont porté plainte devant CSA, qui est l'instance qu'il a pour contrôler les médias. Yo, et concernant chaîne France 3, et dans le journal dans week-end, non, et côté te gagne youn nan mais te gon pancarte qui t'a écrit Macron dégage, il dit rale l'école à Macron, et puis chaîne télévision publié seulement Macron, il pas publié dégage là, et malgré excuse et Gilets jaunes n'ont pas d'accord et yo allé devant instance régulateur et gagne rédacteur en chef directeur information France télévision Yannick Lefranc Tranchant qui présente excuses sur Twitter, il fait qu'on c'est une erreur humaine, tout le monde capable de faire erreur, mais ça pas arrivé calmer la situation. Écoutez, nous capables de sur les réseaux sociaux, il y a des déchaînés contre chaînes qui sont chaînes publiques France 3, peut-être les retoucher un slogan et Gilets jaunes contre Macron. Et puis, on a fini avec plusieurs monde qui étaient passés dans le micro, nous, la dernière, nous connaît très bien, et Wodaï. Et Jean Hilaire lundi, frère Wodaï, et avec l'autre citoyen de Mackinson Kangé, Mounsayo, yo fait connaître, yo créé une organisation qui est le collectif leader engagé, clé, qui prend le bail carton rouge, dans le jour qui a venu là, concernant Jean Paya à Paché, et a commencé une série de manifestations devant local radio télé Caraïbes. Et d'après ça, yo annoncé mercredi qui a venu là. N'attendez Wodaï et Mackinson Kangé. C'est un mouvement que nous allons lancer qui est le carton rouge. Carton rouge, il veut dire que nous allons bailler. Système le carton rouge qui vraiment refuse de payer à fonctionner. Monde qui l'a d'ailleurs pour faire système là, quel que soit le niveau, le degré de responsabilité, donc nous allons demander là, je vous dis là, en fait, fin d'année, d'ailleurs, nous avons la peine en pays. Monde qui impose le pays à fonctionner, carton rouge pour nous, la misère, l'insécurité, l'insalubrité, et nous allons dire peuple là. Sous d'accord, j'ai une situation à y aller là, vous sentez bien là-dedans, vous la carte. Mais ne vous pas d'accord, d'inviter pour habiller vous, mettez en rouge, carton rouge ou l'ambé vous. Cherchez votre carton rouge, même le mouvement nous relé carton rouge. Nous inspirons de mouvement qui fait la France, et bien nous-mêmes nous initions là. Mercredi matin, nous avons commencé le mouvement ça. 7h du matin, nous déjà dans la rue, nous avons devant Radio Caraïbes, nous avons dérapé là. Et qui parcours nous avons fait? Femme Zouke, nous, pas mal fond, on parcours, c'est on marche. C'est un sitting que nous avons commencé. Nous pas viser on boîte l'État. Pour nous ne pas dire que c'est pour job, nous avons crié pour des bagages, nous crié. Nous visons une institution privée, côté que, comme ça, tout le monde est capable de faire, et devant la radio qui se gagne. Parce que, je dis là, problème payant, un petit genre difficile, faut que citoyens engagés prennent responsabilité pour permettre aux paysans de sortir dans sa ligne. Mackinson Kangé avec Wodaï concernant mouvement ça carton rouge. C'est dans le campé, restez sur la radio qui se gagne. Pour ce programme, nous avons dit correspondant nous, Jean Sénosé d'Esprit et Okaï, bonne fête, je dis à c'est anniversaire. Nous disons tout le monde, bonsoir, à demain. Olapalais.com